Let's go! Let's go, le skill! Nice! No! J'avoue, non, j'ai fait un one tap. J'ai vu sur la vidéo de. Truc mule là, Spot. Il a dit de prendre cette ligne. Merde! I'm gonna do the kill! Yeah! Fucking pick advantage, man! The fucking pick advantage! Elle est trop bien la map. Hein. Ouais, c'est cool. Tu m'as one top. À 300 mètres, mon gars, à 300 mètres! C'est quoi cette idée de se splitter à deux? Ah! Non, bordel de queue! What? Deux? Mais deux, trois, quatre, tous! Maman, regarde, j'ai fait un kill, mon premier kill sur ma défile! En faisant bip, pour une affaire, ça me tue! Un conseil pour avoir ta beauté? Je sais pas, je peux demander à Marum si tu veux. Mais je suis pas sûr que... Je pense que c'est random. Parce que mon père est chum et ma mère est chum. Ouais, tu vois, comme quoi, de temps en temps, bah, coup de bol, quoi. Ah, désolé. On attaque l'objectif, bravo. Ouais, je suis désolé, mais vous avez vu. Lui, il est mort dans 3, 2, 1... Moi demain, si je cheat sur R6, je me dis, mais ça se trouve, ça va relancer mon. Tu vois? J'hésite, hein. Voilà. Sachez que je suis en réflexion. Regarde, y'a des lémuriens là qui sont en train de monter, mon gars! Mais mec! Oh, y'a des mecs! Quand tu les vois là! Est-ce que tu les vois, les mecs là? C'est pas des épingles à linge! Vous avez parlé d'un duo sur Twitter, sur 4, alors que c'est quand? Avec The Godly Noob. Sur Tarkov, il s'appelle The Godly Noob. Je suis obligé de me respecter un petit peu, les amis, quand même. Je vous rappelle qu'il vit de l'autre côté du... Tu vois ce que je viens? Il est québécois, quoi. Québécois, on les aime bien, mais c'est eux, quoi. Non, mais non, mais putain, mais ce truc de merde, là. Ouais, un mort. Deux morts. Trois morts. Effectivement. What the fucking... Come on, no! What just happened? What the fuck would just happen one tap, man? Hell. Ah! Mon dieu, bordel de fils de putain de... La console. Non. Attention, ici c'est l'école de la vie version salée. Ce live contient donc toujours une dose de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol. Bonjour! Comment ça va sur le campus de la Salty Academy? Ah! Je suis à l'heure comme... Comme ta mère, en fait je suis pas du tout à l'heure, hein. Je suis une heure et demie de retard. Ouais, je sais, que voulez-vous que je vous dise? Je vous aime, rentrez.
Rentrez, bande de bâtards. Premier qui dit que je suis en retard. Six. Comment ça va tout le monde? Sur le campus de cette Salty Academy. Installe-toi confortablement, on n'est absolument pas en retard. No stress aujourd'hui, alright? Laissez-moi boire de l'eau. Ok, surtout que je dois me barrer à 20h. Pourquoi? Parce que je vais faire du foot, ok? Il faut que je bouge mon gras, d'accord? Voilà. Un magicien n'est jamais en retard. Hein. C'est de la merde comme phrase, non? Un magicien n'est jamais en retard. Pourquoi? J'ai pas compris. Il est où, du coup? T'es pas en retard, juste autant en avance que la SNCF. Ok. Ok. Ça va tout le monde, en tout cas? Seigneur des Anneaux, merde. Il n'est pas en retard, hein. C'est nous. Vous êtes trop en vanne d'avance. Absolument, absolument. Merci infiniment, en tout cas, à deux personnes. Witch Doctor. Pour les 10 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Bonjour proviseur, un petit soutien qui aidera à porter la Salty Academy to the top. Et j'espère aussi ce 4 cœurs, aussi ce 4 cœurs, aussi ce 4 cœurs. Merci infiniment pour les 10 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Merci LKGGG pour les 7 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Wow, qu'est-ce qui vous arrive là? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes trop généreux. Let's go. Hein? Ça ne vous ressemble absolument pas. Merci Yosh pour les 8 mois de po. Méga étudiant, s'il te plaît, monsieur. 8 mois déjà que le mec paye 25 balles, voire même 30 balles, parce qu'on sait pas combien ça coûte, voire même en fait juste 20 balles parce que ça a baissé. Merci Yosh, t'es un monstre, poulet, vraiment, ça me touche énormément. Genre vraiment, vraiment, vraiment. C'est sûr que la SNCF, t'aurais une place directe. Non mais, hé, franchement, je vous reconnais bien là, les Français, là, à toujours ouvrir vos claques merde, là. C'est comme si je n'étais pas français. Hein? Allez voir dans les autres pays, ok? Bon, pas le Japon, d'accord? Mais allez voir dans les autres pays, revenez en France et venez critiquer la SNCF. Hein? Allez en Inde. Allez au Vietnam. Allez au Chili. Allez-y. Allez dans tous les pays de la planète, en fait. Hein. On doit être le top 2, franchement, en France. Franchement, dans le monde. La France, elle doit être le top 2, je pense. Ouais, j'ai ma carte de crédit, là. Ok. La Suisse. Bon, et je me posais une question. Attendez, rappelez-moi qu'il faudra que je pose une question quand tu auras un peu plus de monde parce que je suis à la bourre, mais il y en a, ils sont à la bourre aussi, quoi. Let's go, j'ai envie de jouer, là. J'ai envie de jouer, en plus, il faut que je me barre dans 3 heures. Donc, on attend. Mary, je sais pas ce qu'il fout. De toute façon, c'est un blaireau. Il m'a dit, désolé, j'ai travaillé jusqu'à 5h du matin. Je lui ai dit, bah ouais, mais bon, t'aurais pu m'envoyer un message à 19h18 quand je t'attendais, trop du cul. Mais bon, hein, c'est Mary. Que voulez-vous? Let's go. En dessous des Allemands et des Belges comme d'hab. Ah ouais? Genre les Belges, c'est ponctuel. Hein. Au niveau du train? Non, non, franchement, non. Si? Putain, ce tapis est dégueulasse. Là. Il est tout propre, mais il est dégueulasse. Hein. Et puis il glisse mal. Hein. J'ai pas dû l'essorer assez avec le savon. Voilà quoi. Puis je m'inscris au top secret hein, en étant stock gold. Il y a marqué Silver Max. Toi. Qu'est-ce que Cathy a pas comprendre dans ton cerveau? Quand il y a marqué Silver Max, toi Gold, toi au-dessus de Silver. Silver Max, toi pas concerné. Toi ne pas pouvoir, en fait. Hein? Il est con. Ah la vache. C'est marqué Silver Max. En vrai, ça va en Belgique, on n'a pas à se plaindre. Ah ouais? Non, ça va, franchement, en France, on se plaint. Les trucs, ils ont 5 minutes de retard, quoi. Putain. Allez, allez. Il y a une date dans 3 heures? Il y a un date dans 3 heures? Ouais, il y a un date avec le terrain de foot, Donatello. Faut que je bouge mon cul, hein. Tu as gagné une Pro League, mec. Tu dois bien savoir coach un Hardstock Gold. Ouais, ouais, bah ouais. Toi, t'as rien gagné du tout. Mais tu peux payer 3,99. Après, t'auras le droit de parler. Y a que les actionnaires maintenant du campus de la Salty Academy. Étudiants du campus de la Salty Academy qui peuvent, qui peuvent parler là. Tu payes un service, ok? Là, tout de suite, tu vois, si Yosh, par exemple, en étant méga étudiant, a besoin d'un conseil, je lui donne. Il paye, je donne. Un vrai flipper. Tu mets une pièce dans la fente, je m'allume, ok? Pour les TGV en Espagne et aux Pays-Bas, ils sont loin devant en termes de ponctualité. C'est normal, il y en a deux en Espagne, vu que c'est un pays du tiers-monde. Hein? Donc voilà. Alright, allez, let's go. Vas-y, au lieu de dire de la merde, là, comme d'hab. Ah ouais, donc j'ai des trucs à vous dire. J'ai... Pour ceux qui sont sur Twitter, voilà quoi.
Vas-y, c'est quoi ces boosts là? Vas-y, boost. Moi, je veux me faire boosted, moi. Moi, je fais un boosted player. Vas-y, TDM. TDM. Ouais, non, ça, c'est le Battle Pass. On s'en bat les couilles. Deathmatch. Voilà, c'est ça qu'on veut. Donc, tu me chies dessus car je suis gold et que j'ai pas un rond. Et exactement! Et ça me fait plaisir, parce que même si t'es gold, ce qui fait de toi un joueur de merde, et que t'as pas un rond, ce qui fait de toi une personne pauvre, tu es quand même assez lucide. Garde ça pour toi, c'est déjà pas mal. écris-le, imprime-le, mets-le dans un petit truc, mets-le dans ton portefeuille, t'as gagné ça aujourd'hui. Je suis lucide. Ça fait plaisir. Alright. Si tu perds une partie, t'es gay. Eh ben ouais, ça se trouve, je suis gay en fait. Hein? Ton père t'a pas dit? On a passé une sacrée soirée hier soir. Putain, il était sur les chars, la Gay Pride et tout là. Il t'a pas dit, il faut que t'aies une discussion avec ton daron, je pense. T'es adopté, Kevin. Ah, vous êtes con, hein. T'es bien sale aujourd'hui. Hein. Mais non, sale ou salé? Allez. Ça te donne encore plus de charme. Pour l'exclamation charme. Le pole event. Y'a un leak! Ouais, 5000 euros, ouais, je vois bien, ouais. Y'a un leak! Ça, la régie, là, c'est eux qui contrôlent tout, quoi. Je peux même pas le désactiver, ce truc de merde, là. En fait, je peux. La police arrive! Oh putain la vache! Merci pour les 1 an de frais de scolarité, poulet, t'es un monstre! Bam bam bam, c'est ça qu'on veut, TDM shotgun! Bah ouais, grosse merde! Bah ouais, bravo Tommy Boy avec ton truc là, on dirait. Toi t'es avec sa veste désigual. Bon, il faut que je vous parle après, ouais, d'un truc. J'ai un projet, et il faudra me dire si. Il m'a pris pour un con ou quoi? Oh putain, ils vont m'énerver le là. Ah ouais, je mets l'usine, regarde-moi cette merde là. Bah ouais mec, vas-y, pré-shot! Parce que c'est notre projet. Et si je paye mon inscription et que je suis gold, c'est ok? Tu sais quoi? Si tu payes ton inscription à 3,99€ alors que t'es dans la merde, je te donne en exclusivité la possibilité de venir sur Discord et je te donne 5 minutes de ton temps qui vont te donner les meilleurs conseils te permettant de passer de gold à platine. Qu'est-ce que t'en dis? Pour 3,99€, franchement ça va frérot, 3,99€, franchement ça va. Reloading! Tu vas y arriver à trouver ou quoi? Oh le chantage, non ça s'appelle pas le chantage, on est dans une société capitaliste, ok? Ce que t'appelles le chantage, moi j'appelle ça une prestation de service. Si tu veux je te fais la facture. Trou de boule, ben. Oh là 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 là, j'ai plus du cul. Je suis pas chaud et je transpire des mains.
Et ça, j'aime pas avoir les mains moites. Les mains froides, les mains moites, ça dégueulasse, ça, ça dérape et tout. One tap. Pas du tout. Ah ouais, quand même. Business is big net. Facture avec TVA pour le passer à les comptes. Mais grave. Bien sûr, je te fais une petite facture TVA, tu vois. Tu mets ça en prestation de service. Frérot, le prix d'un kebab, c'est donné, franchement. Mais ta gueule, toi, prends ça, là. Ça, ça me vénère, là. L'autre maestro pour avoir 600 balles et jouer la verticalité ici, là. Quel enculé. Bon là je suis pas en mode sérieux en revanche. On va pas remettre les mêmes dingueries qu'hier. Oh là là, mon pressor fait son cul la merde en plus. Vas-y, relance une game là, vite fait là. Allez, c'est pas du chantage, c'est du business, voilà. C'est moins d'un euro. Merci Gauthier pour les 2 mois de frais de scolarité payés au sein du campus. Et merci la police pour les 1 an, t'es un monstre. Vas-y, on va casser les couilles cette game. J'ai relancé une autre. On se chauffe et après on part en game. Et après j'ai une petite annonce. Ah, je sais pas. Je sais pas si je dois la faire. C'est une question que je me pose. Ah. T'es avec Mary? T'entends un blaireau parler de sa bite là? Non? Bon bah voilà, je suis pas avec Mary. Il me faudrait un riche du chat qui me l'offre. Haha, je rigole, enfin pas trop. Ah non, si tu te le fais payer, je te donne pas ta prestation de service. C'est normal. Ça, ça s'appelle un don. Et on passe dans une prestation de service qui est totalement différente en fait. Tu vois? Ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas facturer à cette tierce personne et à cette tierce entité. Il faut que je puisse facturer directement à toi. Parce que s'il paye 3,99 même pour toi, la prestation de service de facto sera pour lui. Non, non, fais pas l'annonce, ça porte malheur le mardi de faire une annonce. Hein. On n'est pas mercredi aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'il raconte là, il est con ou quoi? On n'est pas mercredi aujourd'hui? Mais quel jour? Non, on est mercredi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Wednesday. Quid du mécénat? Vas-y, et il est hardstock gold et il est pauvre. Le perd pas dans des mots compliqués, quoi. Il pense que c'est un club e-sport, le mécénat. Ah bon, mécénat gaming? C'est plus compliqué que les filles, Six. C'est dur. Le wall shot. Pas du tout. Ok. Il y a personne. Ils sont tous partis là-bas. Ils sont où les gens? Lol. Mon dieu, là, vous êtes où là? Moi je vais rester là, moi j'ai pas envie de bouger là. Critique pas le mécénat gaming. Yo 6-4 et le chat, j'ai un problème avec le jeu. Oh putain la vache. Pokémon! Bien ouais, j'ai enculé le pic avantage. Alors. Hein, j'ai un problème avec le jeu lorsque mon PC crash à la fin des... Allez, mec, on n'est pas le support utilisateur d'Ubisoft, mec. Appelle-les. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vas-y, mais meurs toi en fait. Il y avait deux. Tu penses quoi de la décision de Vibracy? Quelle décision de Vibracy? Mais Vibracy, mais c'était il y a, c'était en l'an 2000, mec, qu'il est parti. Faut arrêter un peu. Pourquoi?
quoi? Il a fait quoi? Il s'est lancé dans une campagne présidentielle, non? Il a invité à voter Marine Le Pen? Non, je sais pas, je demande. Vas-y, ça m'énerve là. Zéro bruit. Oh là 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 là, ça marche dans tous les sens là. Allez, vas-y. Bon, je peux plus regarder le chat et faire le con, désolé. Ouais, vas-y, dégage toi. Ouais, vas-y, barrez-vous. C'est qui ces mecs là? Obligé de tryhard. Enfin, pas de tryhard, mais de me concentrer un peu, quoi. Oh, la souris! J'ai besoin d'un coton-tige. Ok, donc, quand votre souris décroche, comme elle vient de le faire, petit coton-tige sur la lentille. Et voilà. Si ça le fait, si ça là, qui est en train de se passer là, arrive une seule fois, c'est pas normal. Ou alors vous avez un tapis de souris de merde. Eh oui. On est plus à l'époque des souris à boules, quoi. Ça doit plus décrocher jamais. Ah la petite barre. Nouvelle vidéo 6-4. Et bah voilà, bah spammez-la dans le chat. Allez la liker, la commenter, la partager. Ça ferait plaisir ça. Nous aussi on peut faire comme vous hein, pas bouger bande de petits bâtards là. Hein? Wouhouhouhou! Voilà, ça vient là. Let's go! Nouvelle vidéo, vous êtes allé la liker, la partager, la commenter. Petit like, pouce, en fait il n'y a qu'un pouce de toute façon donc tu peux pas te gourer, hein. T'appuies sur le pouce, mets un petit commentaire parce que ça aide l'algorithme, ça aide le nombre de personnes qui le regardent, ça aide une personne qui regarde plus de thunes, on peut payer les monteurs, je les ai payés ce matin en plus, et les designers aussi, voilà quoi, et comme ça tout le monde, voilà quoi. 256 joueurs Rainbow Six Fight en 2v2 pour 1000€, Salty Duel 6, oh c'était bien en plus la vidéo est bien. Oh, je dis pas ça parce que c'est la nôtre, hein. Je dis ça parce qu'elle est vraiment bien. Enfin, ça m'arrive de dire que c'est de la merde. Hein. Bon, j'attends qu'il y ait un peu plus de monde et après annonce. Annonce interrogative. Je me pose la question. Genre vraiment en plus. Et j'aimerais avoir votre avis. Ah. Allez, une petite dernière. Petite dernière et let's go.
Non, elle est cool. La vidéo, je suis allé la voir. Je sais pas comment. Bah, c'est moi qui ai fait le titre. Donc, n'hésitez pas à aller la liker. Ça ferait plaisir, les poulets. Vraiment. Ça aide. Même si vous la regardez pas. C'est mieux si vous la regardez quand même. Et même si vous la regardez pas, vous vous dites ok, j'aide le campus quand même. Je soutiens le campus. Alors, tout le monde vous demande de vous soutenir à l'heure actuelle. Un Instagrammeur, soutiens-moi, tu vois. Mendicité 2.0. Valérie Pécresse, soutenez-moi. Tout le monde. Mais bon, est-ce qu'ils ont tous ce physique? Non? Bon, bah voilà. J'ai donné mon meilleur argument. Poil de fion, hein, c'est dégueulasse. Salut 6-4, ça va? As-tu vu qu'il y a un skin d'Aruni à débloquer sur MLab? Franchement? Oh bah alors ça, c'est exceptionnel. Non, j'avais pas vu. Mais je vais y aller de ce pas. Parce que moi, l'important, c'est les skins. Non, pas du tout, je m'en bats les couilles avec des porte-fenêtres. Mais c'est cool, non? Franchement, c'est une bonne... c'est bien. Voilà, quoi. Bravo et merci pour tout ce que tu fais, c'est très apprécié. Ah oui, d'ailleurs! Oh putain, faut que j'envoie la commande. Le 23, participez tous. Voilà, vous êtes 285. On va envoyer la commande, je sais pas si elle est déjà prête. Point d'exclamation CC peut-être. Mais il y a la Campus Cup qui revient. La dernière fois, on avait passé un super moment. Il y avait 64 équipes, ça s'est super bien passé. Et j'avais casté, bien évidemment, en solo, l'intégralité de tous les matchs. On fait ça sur une journée. Voilà. Merci infiniment, Bobs, pour les 13 mois de frais de scolarité. Gauthier, pour les 2 mois, vous êtes des monstres, les amis. Vas-y, en revanche, on va pas attendre comme hier 6 minutes, là, ça me casse les couilles. On vous donne rendez-vous ce samedi 23 avril, dès 14h, pour la 6ème édition des Campus Cup 5v5 sur Rainbow Six. 200€ à gagner avec firstblood.io. Inscription en équipe et inscription seule. Eh ouais, parce que ça, c'est le meilleur des trucs. Si vous n'arrivez pas à trouver des teammates, eh ben, on fait les équipes pour vous. Parce qu'on est des gens sympas, quand même, tu vois. Soul Team et pas que. Bon bah pour ceux qui s'intéressent, sur MLab, il y a 2 skins à 2 Aruni à débloquer en jouant à l'Event 6 Siege 1.5 shot. Non mais c'est cool franchement qu'ils fassent ça. Allez-y hein, franchement c'est très bien. C'est très très bien. Moi je peux pas, j'ai PZ. Non mais toi tu dors à 19h30, Oni Gaming, s'il te plaît. C'est pas genre. L'event est temporaire donc après le skin ne sera plus obtenable. Ok. One more salty fan. Ok. Let's go, petite dernière DM. EDM, tout ça, zbra. Et après, brim brim, on va mettre des petites balles. 3, 2, 1, impact. Le mec est passé dans mes balles là, mais du... Viens l'enculé, on sait que t'es là. Non mais les gens ne prennent pas les... Ah je fais, bah ouais. Lu Hall, Lu 6-4, Lu Max 54, hein, tout pour les skins décidément. Bah ouais j'avoue. Bon après les gens aiment bien les skins donc bon... Eh hey. S'il y avait plus du tout de contenu de type skin... on serait pas dans la merde tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les gens ne joueraient plus au jeu. Connard! Il se vénère dès qu'il meurt. Salut Siska, dis-moi, j'ai vu dans une de tes vidéos que pour te pencher à droite et à gauche, tu utilises le mode maintenir la douche. Voilà. T'avais fait une grande phrase et je m'arrête à la première erreur. Hein. T'as écrit la douche, du coup je répondrai pas. Comme tu peux pas spammer derrière, bon bah c'est con. Hein. Bah ouais, normal, t'as plus de balles enculé. Hein. Comment faire pour que le déplacement et la décale soient fluides étant donné que les deux actions se font avec le même doigt? Je suis un ancien joueur PS5, désolé. Écoute, chacun est le bienvenu ici, d'accord? Même des personnes en difficulté. Alright.
Ne te sens pas exclu parce que tu es un ancien joueur PS5, d'accord? Tu es avant tout un être humain. Tu as fait des erreurs dans ta vie? C'est normal, ne te blâme pas trop. Aie de la compassion envers toi-même, c'est important. D'accord? Après, pour ton problème, je peux pas t'aider, va te faire foutre. Non, je rigole, je vais prendre 2 secondes pour te venir t'aider. Là, t'inquiète, on arrive. Regardez bien. Zbla! Ça ne marche pas. Venez, on tient là. On tient là, les amis. Ça me sert. Bon, et pour A et E, parce que t'appuies avec le même doigt mais avec une phalange différente. Je l'ai déjà fait, j'ai pas de stylo là. A Q A Q E D E D. Comme ça. Ah, comme ça. Comme ça. Oh là là, my god, je suis monstrueux. Non, mais tout. On se tire dans l'épaule en plus. PL quand même. Non, enculé, l'autre il a. Combien de balles? Leak. Non, mais ça va pas la tête ou quoi, j'ai pas d'aller en PL, mon gars. Regarde, j'arrive même pas à mettre des têtes. Pour les... Merci pour les 25 mois de passe scolarité, puis au sein du campus de la Soldier Academy, t'es vraiment ce poulet. T'as la vache, le truc, c'est jaune. Comment il est tout content, il a dû payer ça 300€ son skin. Merci Ice Creamy, merci pour les 25 mois. Donc, ouais, bah j'ai expliqué en fait. Voilà, c'est bon. J'ai encore envie de faire un peu de TDM, je suis désolé, mais bon, c'est tellement cool. Six, si tu reprends l'airsoft, tu nous fais des vidéos. Je sais pas. En fait, c'était ça la question que je voulais vous poser. Forcément, si je vous pose la question en vous disant ça vous dirait, les gens vont être là, ouais, ouais, trop bien. Et une fois que le truc il est fait, ça. Je suis un devin. Ouais, j'avoue, t'as bien anticipé. Petit bâtard, t'as du game sense. Oui, ouais, c'est ça, oui. C'est cool le TDM, moi ça me gêne pas que tu restes un peu perso. Ouais, j'en fais une dernière, après j'y vais. Mais j'aime trop le TDM, c'est cool. En plus on peut parler. Ah, faut que je me mette la gueule dans l'écran quand même. Pardon, la tête, les yeux. Merci bien, Jarwise. Nouvel étudiant du campus de la Salty Academy. Bienvenue poulet. Nouvel étudiant, point d'exclamation charme. C-H-A-R-M. Perso, rien à foutre. Et au moins, ça a le mérite d'être franc, quoi. La question étant, dois-je le faire sur une nouvelle chaîne si je le fais, ou dois-je le faire sur la chaîne qui existe? Voyez-vous? C'est ça, la vraie question. Nouvelle chaîne, il va pas y avoir assez de followers. Merci, Sunshine, pour les 31 mois de frais de scolarité.
Ancienne chaîne, c'est cool, mais après, est-ce qu'on s'y perd pas un peu? Hein? Question secondaire, qui regarde de l'airsoft déjà sur YouTube? Ah, c'est une communauté, c'est une niche. C'est une niche. Mais le but du jeu, c'est justement d'évangéliser un peu la pratique, tu vois. Moi, j'en faisais il y a 10 ans, en fait. Le retour émoticône. Merci, Billy, pour les 200 bits. Moi, j'en faisais il y a 10 ans, quoi. Donc, j'ai connu vraiment le... J'en ai fait pendant 3 ans. J'adorais ça, quoi. Et là, j'ai bien envie d'en faire. J'ai vu des créateurs de contenu qui faisaient des bons trucs et tout. Mais je pense qu'il y a encore de la place pour faire des trucs encore mieux, quand même. Tout dépend de la commu, en vrai. Ouais, c'est clair. Ouais, oui. Ça dépend d'où t'es géographiquement parlant, etc. Ça dépend des gens. Parfois, c'est très, très, très carré, militaire, machin. Enfin, pas militaire en l'occurrence, mais milsim. Donc, très sympa, mais peu flexible. Un peu élitiste. Très cool quand on est là-dedans, mais voilà. Parfois, c'est vraiment Jean-Michel Décathlon. Jean-Michel Décathlon, barbecue saucisse. Bon! Alors aujourd'hui, avec des mégaphones et tout de ouf qui pètent les oreilles. Alors aujourd'hui, on va faire du ce qu'on appelle du reenactment. En fait, le scénario est simple. Quelqu'un a perdu son papier toilette. Et des trucs comme ça. T'as... Non mais ça rien. Cover me. Reloading. Je fais des recoils. Je fais semblant de jouer à la manette. Ah non, pas. Ah non, on peut pas. Oula, il était trop bon mon recoil contrôle là. Ah bravo. Mary fait l'otage. You. J'en ai fait 3 ans, mais au bout d'un moment, les ex-militaires nostalgiques, ça me fait péter un cap sans parler des mecs qui refusant d'être touchés. Ouais, alors ça en règle générale, les Highlanders, ça s'appelle toujours comme ça. Non mais je vais voir, tout dépendra de la commu quoi. Après peut-être que faire directement utiliser le réseau... Ah je sais pas. Bon, ça me tente bien, franchement ça me tente bien. Et après il y a un truc, faut essayer hein. En parler à chaque fois, machin, avoir la crainte de ça va pas marcher. Très français ça, hein. De trouver toutes les excuses. Oula. De trouver toutes les excuses pour pas que ça marche, quoi. C'est ce que je veux dire, avant de faire en sorte de... Ah bref, faut essayer, c'est ça que je veux dire, quoi. On n'a pas une âme d'entrepreneur en France parfois. Faut y aller. Et faut se planter. Oui, mais... On a un peu une âme de... Oui, mais... Hein? Alors qu'en fait, il faut qu'il fasse planter, c'est tout. Mon Game Sense va me parler. Ah ouais, il m'a parlé. Ah ouais, pas celui-là, orange. Quelqu'un d'autre sur Twitch. Flash Hider, je crois. Après, j'ai acheté un petit truc là. C'est une palette. On se la met sur la souris. Franchement, c'est nickel. Hein. Ça tire tout droit, quoi. Il y a beaucoup de professionnels qui utilisent ça. Hein. Faut pas croire. Hein. Chico, les spoits. Vous êtes cheaters. Ils font genre, mais
Il y a bien une raison pour laquelle il marche pas en rocket et enfin pour laquelle il marche pas en LAN. Ah ouais, franchement, regardez bien, regardez bien. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube avec mes 16 abonnés là. Elle a cartonné, elle a fait 200 vues. T'inquiète, ou j'explique. Hein. J'explique qu'ils ont tous des recoil control, regarde. C'est impossible d'avoir un recoil aussi long. Regarde, ça bouge pas. Et ça, ça coûte 20 balles par mois, frère. Franchement, 20 balles, c'est quoi? C'est quoi pour mettre des trucs comme ça, tu vois? Après, tu peux te la raconter, tu vois. Tu peux mettre des petits clips, t'as vu? Des petits clips, tu vois, sur la bio Tinder. Bam. Non, franchement, c'est... ça marche bien. Alors voilà, bon après j'ai pas le Wallach, ça coûte plus cher. Pour le positif, c'est tel pour foncer. Ouais, je plaisante, mais ouais, non, mais je pense que. Oui, je pense que je vais essayer. Vas-y, on va parler. Faire le con et. Merci Tissou pour les 4 mois, t'es un monstre, les... vous êtes des monstres. Bravo. Donc, ouais, on va essayer. Je pense qu'on va essayer. La question c'est d'abord je vais essayer sur la chaîne normale. Je pense que je vais faire ça. Et voilà. Et ensuite l'exporter sur une chaîne. Si ça plaît, l'exporter sur une chaîne qui serait à part. Mais faut pas croire, une chaîne ça coûte de l'argent quoi. Avant d'en rapporter une chaîne YouTube, ça coûte. Une chaîne à 150 000 abonnés comme la nôtre, ça rapporte zéro. Hein. Ça paye les personnes qui bossent dessus quoi. Donc vous voyez... voilà quoi. À moins de faire tout seul, hein. À moins de faire tout seul aussi, hein. Ça c'est possible, hein. Tu prends ton temps, tu fais ta petite vidéo, ton petit truc, blablabla. Mais voilà quoi, je suis une feignasse. T'entraînes plus laine du coup. Bah t'as vu le monstre un peu. Tu crois vraiment que j'ai besoin d'entraîner le petit là? Il est monstrueux, hein. Enfin, si on rejoue ensemble, c'est lui qui m'entraîne. Y'a pas besoin d'entraîner trop les gens. Ça sert à rien. Un coach, tu vois, ça doit être comme un tuteur. Tu vois, t'as les tuteurs, là. Les petits bouts de bois, là, à côté des arbres, là. Y'a un moment, le bout de bois, il sert plus à rien, quoi. C'est juste pour le début, quoi. Après, tu le laisses, quoi. Autrement, il part en couille, le truc, et tout. Tu vois, l'arbre, il part, on dirait un zboub, quoi, le truc. Non, tu le laisses aller. Len, il est trop fort. Il a une chaîne, le petit. Ouais, on va l'aider plutôt là-dessus, je pense. On va l'aider plutôt là-dessus. Bien sûr. Il est devenu un monde grâce à toi et lui-même. Bah surtout grâce à lui-même, bien sûr. Voilà quoi. Tu montes la voix. Et puis voilà. Mais après, ça se voyait qu'il avait les capacités, quoi. 6-4 dans la track. Dans la track? Dans la track de quoi? Ça veut dire quoi, dans la track? J'ai pas la ref. La track TRAC. Et le Game Sense, c'est un Wallach. Ouais, bon, ça, le Game Sense, c'est pareil, ça se travaille. Le game set, je pense que c'est ni plus ni moins que la capacité de faire du multitasking. Donc de gérer plusieurs tâches à la fois. Ça, à mon avis, c'est pas le genre de truc qui se travaille. Tout se travaille, mais tu vois, il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres, quoi. Moi, j'ai pas trop de difficultés là-dessus. De me concentrer sur un truc tout en étant aware par rapport à ce qui peut se passer autour. Et c'est surtout, en fait, une répétition des expériences, au final. C'est ça, du game sense. Tu vois? Voilà, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un pilote de Formule 1 si ce n'est un mec qui fait tout le temps de la Formule 1, quoi. Et au final, quasiment chaque virage, chaque machin, chaque freinage, chaque dépassement, même s'il y a toujours une part de random, n'est qu'une répétition de ce qu'il aurait déjà fait par le passé, quoi. Voilà. C'est tout. Je vais avoir les 1 million de RT 64T. Bah ouais, heureusement que j'ai retweeté avec le compte de la Salty Academy, quoi. Autrement, c'était mal barré, ton truc, hein. Ok, si tu sais pas, je peux rien pour toi. Non, en fait, car c'est un groupe Airsofter qui faisait de bons trucs sur YouTube. Tac, t'es assez. Alright. Et Tactical Becherel aussi. Ouais, c'était bon, eux. Ouais, t'inquiète. Ah, track. Ouais, mais à chaque fois, ils font des... Et à chaque fois, dans l'airsoft, il faut comme l'armée, quoi. Tu vois? Pour synthétiser le tout dans l'armée,
T'as plein d'abréviations tout le temps, tu vois. Et à la fin, bah tu t'y perds. À la fin, c'est quoi ça, tu vois? Ah ouais, c'est juste ça. Mais pourquoi on l'a abrégé? Ok. 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 Même notre arme pendant des années, tu vois. Le FAMAS, c'était déjà une abréviation. Tout était une abréviation, tu vois. Tout, 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 tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu passes tes journées comme ça au début. Et dans l'airsoft, ils font pareil, tu vois. À chaque fois, c'est des associations, la BNAP, le TAC 44, avec bien sûr le département derrière, tu vois. TAC 69, STPD 72. Tout le temps. Est-ce que t'aimes les Belges, Six? Moi, j'aime tout le monde, ok? J'aime tout le monde. J'aime les Belges, chez eux. Voilà. Vous remarquerez qu'il y a une blague. Vous remarquerez qu'il y a des blagues qui passent avec Belge. J'aurais fait la même blague avec Marocain, ça aurait pas. Tu vois? Je sais pas, je pense que ce serait moins bien passé, quoi. Yo, can somebody push upstairs with me? Zolf, can you push upstairs with me? I'm good. Thank you, sexy. C'est raciste. Bah justement non, tu vois. En revanche, la deuxième possibilité, ça aurait pu être la merde. Bro, what did I do to you, bro? Il y a des choses que tu peux et que tu ne peux pas. We need to locate a bomb. Ouais, russe non plus, tu peux plus. Bon, ah si, à mon avis, tu peux dire quand même russe. Les russes chez eux, c'est bien quand même. Merci Max Hunter pour les 7 mois. Non, j'ai aucun problème avec la Belgique, les amis. Arrêtez de vous prendre la tête. Si vous êtes... Hey, si vous pensez vraiment que j'ai un problème avec les Belges, c'est que vous avez zéro capacité à comprendre le second degré. Donc partez vite parce que ça va mal se passer, tu vois. Comme les consoles, hein, j'ai zéro problème avec eux. Comme les Québécois, j'ai zéro problème avec eux. Genre vraiment... Mais j'aime bien moquer tout le monde, moi. Comme imiter les accents. Ouais, bah ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Oh, c'est clair que imiter l'accent belge, ça n'a jamais fait de mal qu'à la Belgique. Eh ouais. Après, c'est parce que la Belgique belge, c'est pas une minorité qui a souffert non plus. Non. Wow. Ça peut se comprendre aussi. There is no one in the open space, you can go, bro. They didn't reinforce shit, actually. They're top floor. I don't know about the cafeteria, be careful. They're downstairs, nigga. Are they? They didn't reinforce anything. C'est quoi ces mecs, là? Oh là là, je suis nul. The game. There's a claymore. He's going to jump on it. Come back, guys. I want him to jump on the claymore. C'est quoi cette game? C'est quoi ces mecs? Bienvenue aux États-Unis. Friendly mission successful.
Ah mais ça joue bien avec moi en fait. Et en face c'est des bournes. Merci Max Hunter pour les 7 mois. Bon bah c'est à dire que oui, là ça se passe pas bien, ça se passe pas trop mal, c'est normal. Pourquoi j'ai pris Zofia moi? J'ai vraiment aucune race. Parce qu'on m'a pris ma Twitch. Allez, j'ai joué Finca. Finca LMG. Tellement classe. Je pense que je suis le seul belge du chat, let's go. Non, belge et québécois, vous êtes quasiment 10% à chaque fois, regardez. Imagine. Si, les belges plus console. Putain la vache. Le cumul des mandats, quoi. Je suis belge. Ouais, tu vois. 5% de Thionville. Yeah, they're not really good. I want you to love you, baby. No, no. La double peine. Non, peine. La double peine. Pourquoi j'ai lu ça, moi? Non, mais... Oh. 5 seconds to go. Prêt pour le comeback de Kiss, le groupe de musique de Détroit là. Faut vraiment avoir aucune race pour jouer ce genre d'arme quand même. Je fais des jeux plus souvent, c'est drôle en fait. Normalement, je fais que de la merde. À gauche, il y en a un là. Bah ouais, puisqu'il a pas pushé, puisque lui était là et lui est là-bas, et donc là-bas, et voilà quoi. La probabilité est. Et l'autre maintenant. I have a grenade! I got the C4 because I'm a monster. Oh fuck! On donne une chance au mec en face, hein. Smoke was over to the right. Yeah, I know. Smoke is blue, guys. Can you think of boosting? Yep. Loading new magazine. Op 4, last operator standing. You have completed one. Beautiful shots, boy. Beautiful shots. I know! Hello, comment ça va, Shockwave? Le boost, il le laisse crever. Hein. Ah, je sais pas utiliser Finca. Je sais pas jouer à la LMG. Vas-y, bah on peut essayer, franchement. En même temps, je suis en train de la jouer au moment où elle va être nerfée. J'espère que tout le monde va bien. Eh ben écoute, ça va pas mal, petit 50. Merci pour tes 15 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Comme un bon étudiant qui se respecte, ça fait extrêmement plaisir que tu sois là parmi nous. Et que tu payes tes droits. Assieds-toi, ça va bien se passer. Hello Skydin. Elle va être nerf, Finca, j'avais pas vu cette info. Les LMG vont être nerf, je crois. Ah, il faut, c'est vraiment n'importe quoi. Faut augmenter le recoil, Faut changer les mécaniques du jeu aussi, franchement. Je sais pas, franchement, le fait à haut niveau de balancer du spray sur des pixel lines de 1 pixel, quoi. Inch'Allah, le mec s'arrête et j'en mets plus que lui, quoi.
Je trouve ça d'une laideur absolue comme gameplay. Mais bon. À quand les Salty Duels ? Ce sera le prochain. Faut déjà atteindre le sub goal, Mary. Come on, be nice ! Et après le sub goal, Mary, ce sera le, les Salty Truel. Je l'ai mis sur Twitter. C'est n'importe quoi. En plus, l'ADS là-dessus devrait être méga long, quoi. Alors que c'est hyper rapide. Du coup, tu te déplaces toujours en clic droit, tu sais, en plus. C'est n'importe quoi. C'est inadmissible d'avoir ça. Et les personnes qui jouent LMG est mort encore à un Mozi. Les personnes, le français, c'est pas leur, leur première langue à l'école, visiblement. Qu'est-ce qui vous arrive là? J'ai rien compris. Non mais, they're top? Are they? La DS est encore plus rapide avec le boost Finca. Ouais, je sais, je sais, je sais. Rien que là, là, c'est pas normal. Ça, hein. Inch'Allah, on met une tête. Merci à toi, Scat, d'être toi, de nous faire rire, surtout pour ma part qui suis à l'hôpital en ce moment et qui arrive grâce à toi aujourd'hui. Toi, t'es à l'hôpital. Dis-nous tout. Oh merde. One more, the end of CEO. Down to one friendly. You got fucked. Pneumothorax à cause du truc que tu fumes, monsieur. À cause du truc que tu fumes. T'as là? T'as fait quoi? T'as fumé la batterie ou? MDR, non, ça fait un moment que je fume et ça a pas aidé. Secure the bombs. Ouh. Turbine carrément refroidie au nitrogène liquide. Ah ouais, là j'avoue, c'est chaud non quand même. Bah écoute, bon rétablissement. Merci Quentin pour White Eagle depuis 3 mois, c'est le droit de scolarité. En même temps, c'était peut-être pas nécessaire. Hein. Bah, quitte à le donner à quelqu'un, ça se trouve dans 2 semaines il est plus là lui, donc bon. Peut-être le donner à quelqu'un qui va vivre. Hein. Non mais soyons rationnels, c'est important, il nous reste ça quand même. Hein, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, ça fait sympa parce que le mec il est malade, mais bon, lui dans 2 semaines il vient plus. Hein. Faut penser au business aussi quand même. In the fucking blue stairs, guys! Comment je l'ai pas entendu ça? Je me suis fait opérer, t'es vraiment un salaud. Eh.
Ça me fait trop de plaisir de savoir que t'es là, c'est sur le lit d'hôpital, en train de faire... infirmière. Me fais pas rire, fils de pute. Oh. Ah, prends établissement. N'oubliez pas ce que Beaumarchais disait. Ça, c'est le karma qui t'a rattrapé, grave. Je suis pas là, mais merci à toi. Oh, ça va le faire, t'inquiète. What the fuck? Attends, tous les mecs se jouent super bien. Il faut qu'on tombe sur cette Ella qui a un gameplay hasardeux, là. Ah bah non, bah ils sont deux à jouer comme des trous ducs. Hein. Merci évidemment Toxic Fanatics pour les 8 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Comme un bon étudiant qui se respecte, envoyez plein de GG, plein de cœur pour Toxic Fanatics. Right. Il fait quoi Mary au fait? Il disait quoi Beaumarchais? Dans le Barbier de Séville, acte 2, scène 1. Mais qu'est-ce qui t'a donné une philosophie de la vie comme ça? L'habitude du malheur, monseigneur. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Voilà. C'est dans le Barbier de Séville. C'est Figaro qui dit ça. Très bonne pièce de théâtre. Ça sent le passage potassé au lycée. Non, j'aime bien. J'aime bien le théâtre. Helping his friend. A 20 second. Oh, that's a very beautiful headshot coming from KTB. KTB is gonna do the dragon kill. Oh my god, KTB! C'était dégueulasse qu'on vient de voir. Merci, Crimo. I love that. That was great. Merci, Crimo, pour les 3 mois de frais de scolarité. Un monstre. Do you want the old stadium experience? Encore des minutes, ça fait beaucoup quand même. Je sais pas quoi jouer, tiens. Oh, Thunderbird. Toujours mettre avec un silencieux, les amis. Toujours mettre avec un silencieux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, je vous explique bientôt. Pourquoi mettre un silencieux sur Thunderbird? Moi j'adore dans le seed. Trop peu d'honneur pour moi m'apporterait cette victoire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Who dares win? Qui est aussi effectivement l'adage, comment on appelle ça déjà? La devise du SAS. Le Special Air Service. Kios gagne. Ah non, c'est Kios gagne, effectivement. Rien à voir, ouais. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Oui. Ah, je sais. Je pense que c'est mes deux citations préférées, les là qu'on m'a donné. Non, oui. C'est Who Dares Win, SS. Kios gagne. Rien à voir. Mais alors, rien du tout. Ah. Oula, il y a un mec qui arrive là. Vas-y, je voulais me heal derrière la roue de la voiture là. Ah, il y a eu un klaxon, j'ai rêvé. Non, j'avais pas envie, c'était Enosa que j'ai tué là. Alors que GIGN, c'est répondre à la force par la souplesse. Hein. C'est aussi la devise de Rocco Siffredi, apparemment. Comme quoi. On pouvait le voir sur... Ouais, l'arme de Jaeger a été nerf, le recul a été augmenté, je sais pas. Je regarde pas les patch notes. Loading mag. Non, GIGN, c'est s'engager pour la vie. C'est sûr, c'est pas le surface. Hein.
Alpha deployed. Surface secured. Je peux vous le dire si vous l'attendez. One op four remaining. Au final, j'ai pas retrouvé les cuissons du GIGN. Merci infiniment, Mr. Blave, d'avoir offert la possibilité à I'm Xiod, ses 5 mois de frais de scolarité, et à EDTTV, ses 3 mois de frais de scolarité. Un monstre. Envoyez plein de GG pour Mr. Blave, le monstre. Il régale tout le monde. Et ça, c'est beau. Merci, Poulet. Vous êtes des monstres, les amis. Vous permettez au campus de la Salty Academy de survivre. Et ça, c'est beau. Merci, Crimo, pour les 3 mois aussi. Let's go, boys. Vos yeux, on lance. Hein. Vous avez pris vos gilets? Elle est pas mal celle-là. Ah, c'est la devise du GIGN. Ah, c'est clair, c'est clairement celle-là. T'as pris ton petit gilet? Oh my god. Non, mais franchement, je sais pas pourquoi est-ce que l'airsoft c'est pas plus démocratisé puisqu'on en parlait en France. Alors oui, il y en a, ouais, tu vois, ça existe quoi. Ça existe. Et je discutais avec des gens qui me disaient qu'apparemment le Covid a un peu eu raison du paintball. Voilà quoi. Merci Xinou, nouvel étudiant, bienvenue. Enjoy le charme puisqu'on est sur R6. Pour l'exclamation CHARM. Voilà quoi. Je ne sais pas. Apparemment, le paintball, c'est un peu terminado quoi. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit après. Mais je ne sais pas pourquoi ça s'est pas un peu plus évangélisé. Tout simplement. Inscrire The Flying Art. Ah, les gens, ils me dérangent sur Discord. Pendant le Covid, on a pas pu jouer à l'Airsoft. Maintenant, c'est bien reparti. Ah ouais? Airsoft, c'est mieux. Mais apparemment, les gens me disaient que paintball... Oui, non, mais bien sûr. Mais après, sans tomber dans le truc, tu vois, les deux peuvent survivre. Mais apparemment, il y en a un qui est mort, en fait. La partie Airsoft... Enfin, la partie paintball est un peu décédée, quoi. Et l'autre truc, c'est vachement drôle. Ce qui est hyper drôle, c'est que j'ai arrêté pendant 10 ans. Et en fait, tous les groupes, le seul truc qu'ils ont fait, l'évolution de des trucs sur Internet et de leur visibilité sur Internet, c'est de passer de forum actif à avoir des pages Facebook. Quoi. C'est le plus gros que tu puisses trouver quasiment. Quoi. Il y a très peu de Discord, tu vois, qui est quand même un outil incroyable pour une gestion de communauté. C'est vraiment le meilleur des trucs pour la gestion d'une communauté. Les groupes Facebook, c'est pas mal, tu vois. Mais c'est ouf de se dire que les gens sont restés sur les groupes Facebook quoi. Voilà. Après pour la gestion des events et tout c'est pas mal quoi, mais c'est vrai que voilà quoi. Je suis un peu un fervent défenseur de Discord pour le coup. Il y a trop de cheaters en airsoft, hein. De cheaters. Alors que le paintball c'est dur de justifier la grosse tache jaune sur ton casque. Ouais sauf qu'on a t'en as 150 000. Un peu élitiste dans beaucoup d'assos, si t'as pas le top ou en matos, tu passes pour un bouffon. EHEH, on y est. Ça dépend. Il y a plusieurs types de trucs, quoi. Après, si tu vas dans le du milsim Girdos reenactment machin, voilà, quoi. C'est normal, hein, c'est normal. Allez, chacun son kiff, quoi. Moi, je suis un peu entre les deux, en fait. Merci Crunch El Patron pour le fait de payer depuis un an déjà tes droits de scolarité. Au sein du campus de la Salty Academy. Un monstre, poulet, vraiment. Merci, poulet, vraiment. Tous ceux qui payent depuis un an, là, vous êtes monstrueux. En partie qu'avant, surtout, les médias prenaient les pratiquants de l'e-sport pour des fanats de guéguerre. Ça n'a pas fait bonne pub, complètement à tort. Oh, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, quand même. Mais bon, c'est pas pour autant que... Hey! Vaut mieux s'amuser avec des trucs en plastique qu'avec des vrais trucs. Hein? Voilà quoi.
Ouais, mais c'est vrai qu'il y a eu... Il n'y a pas eu... Enfin, je sais pas. Il y a plusieurs familles. Il y a plusieurs familles, quoi. Il y a trois familles, je pense. Hein. Il y a vraiment la famille tranquille. T'y vas avec le pistolet que t'as chopé à la fête foraine. Avec la réplique, en l'occurrence. Le truc à plastique. Et avec ta veste Quechua et un masque, et t'es parti, quoi. Il y a ceux un peu entre les deux qui sont souvent des joueurs de jeux vidéo en règle générale hein, et qui veulent reproduire IRL ce qu'ils voient dans les jeux vidéo quoi, en vite fait mais... Donc avec la sémantique qui est un peu similaire d'ailleurs, tu vois, genre fragué, machin, truc bidule. Et puis t'as les 1000 sims quoi, qui sont là pour les photos. Non franchement j'ai pris des plaques sapi là. J'ai pris des plaques en céramique, c'est les vrais. T'as ce kilo la plaque mon gars, t'inquiète hein. Bon enfin là on va juste faire un trekking. Ouais mais j'ai envie de... Chacun son kiff. Je viens de débuter sur Rainbow Six. Aurais-tu des conseils à me donner? Oui. Appuyez sur point d'exclamation YT. Vous allez voir toutes les chaînes qui parlent de tous les conseils à te donner. Ensuite, de faire point d'exclamation Discord pour trouver des teammates. Et parce qu'on fait plein de trucs par un 6. Ensuite. Ah voilà, déjà tu commences par ça. C'est pas mal. Et de venir là, ici, tous les jours. À 15h pile. Parce que je suis toujours à l'heure. T'as le speed soft qui aurait rien à voir. Le speed soft? Qu'est-ce que c'est que ta connerie? Ah mais non, mais j'ai vu que le frère de Théo Griezmann, d'ailleurs, il s'était lancé là-dedans, là, un truc... Air speed machin ou je sais pas quoi, tu sais... The brain is... Reloading. The brain is here. Airsoft, c'est de la compète d'airsoft. Ah ouais, mais c'est ce qui remplace le paintball en gros, dans la logique de très compétitif quoi. Alors ça me fait pas rêver du tout. Mais alors pas du tout. J'aime bien le principe... Ah j'ai pas envie de faire encore du compétitif quoi, tu vois, quand je fais de l'airsoft. Mais après je peux comprendre que... Oh putain, j'ai failli mourir. Après je peux comprendre que les gens, ça les fasse kiffer, tu vois. Shoot in the... Under you, Sad. Yeah, there is one. In the kitchen. Ah désolé Squeezie. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Comment il va ce 6-4? Eh ben il va très bien le 6-4 hein. Il va très bien hein. Ah, j'ai l'impression qu'on parle de moi comme si j'étais un animal voilà quoi. Merci infiniment Coldy Angus pour le fait d'avoir offert la possibilité à Skinos de payer depuis 6 mois ses droits de scolarité au sein du campus de la Salty Academy. Welcome. Bienvenue. Welcome. Merci aussi Crunch. Vous êtes des monstres, les amis. Vraiment. J'ai regardé tes vieilles vidéos de cast avec Su Fu
et Phil au 6, ça fait bizarre. Ah ok. Prends le motard. Vas-y tranquille, Ace Kenny là. Hey Ace Kenny! T'as reçu un truc sur PayPal aujourd'hui, non? Secure the area, keep the bombs protected. Non? Vas-y, je vais retourner juger d'équipe, hein, je vais faire que ça. Ma nouvelle vie. Chut, les autres vont être jaloux. Ouais, bah fais-moi ton nazi, s'il te plaît. Ok. Oh le bâtard. Pushing garage, bah c'est pas vraiment pushing dans ce cas-là. Il était pas là, non? Il était où? Ah si, mais il avait couru tout droit, bâtard. Pour que je reprenne le jeu pour te laver les fesses. Ah ouais? Ok. Ah, t'es pas obligé de reprendre le jeu pour te laver les fesses. Tu peux juste prendre une douche. Ça coûte moins cher. Pourquoi tout le monde prend ça à chaque fois? Ouais, j'ai pas fait de kill avec ça tout à l'heure. Ça marche la Banshee dans l'évier? Il faudra que tu testes Gaby Jamkins. One more salty fan. Salut Ratatouille. Bien joué, Pixel Art. Hein. Bien joué. Hein. Op-4 located a bomb. Protect it. Healing station in position. Kona on seconds remaining.
op 4. Reload. Yo 64, ça va? On site. Merci du monde, trèfle coq pour les 4 mois de passe scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Pff, oh là là. Sondage, vous préférez Holo A ou Holo B? Je vois de plus en plus de monde avec un silencieux. C'est pour le fun ou il y a un buff? Non, c'est juste pour le fun parce que ça fait un bruit stylé. L'important, c'est le style. D'abord le style, en 1. En 2, le skin. En 3, les ranked et le niveau. Et en 4, le cadet. Toujours dans cet ordre-là. Et si vous voulez différencier le bon joueur du mauvais joueur, commencez toujours comme ça. C'est comme ça qu'on arrive à classer le joueur compétitif internet sur Rainbow Six. Je répète, d'abord le skin et le silencieux aussi. Hein. Le style, toujours le style, juste avant les cadets, et juste avant. Le niveau online. Et l'important, de bien se renseigner pour savoir si la personne a déjà fait du compétitif en LAN. Et si c'est déjà le cas, il est contaminé. Ne lui parlez plus, ce fils de pute. L'important, c'est de rester dans le confort de sa maison et de son habitation. KD, skin, steel. A bomb must be located and defused. Loading back!
located a bomb. Put the shield down. La vache, et elle a saigné. Bon, je pense même qu'elle est morte. Je vais donc aller la terminer. Ne jamais se faire voler ses kills. Vas-y, ça rigole, toi. Il n'y a pas assez de balles dans ces merdes. There is one in attic. Attic. Bim. Oh. Oh merde, j'ai cassé. GG guys, you guys are amazing. You're the best players I've ever seen in Rainbow Six Siege. GG. I love you very much. Subscribe to my channel. It's Six Squatter on YouTube and Twitch. Give me your money. Fast. Je les ai remerciés quand même. Toujours viser les yep, dégueulasse, m'a dit, c'est ridicule là. Merci encore Trèfle pour les 4 mois, vous êtes des monstres. Il est 18h et je dois partir à 20h. J'ai rendez-vous pour aller faire un football. Eh ouais, l'important, la Rolls-Royce. La Rolls-Royce du sport. Le football. Et il fait quoi, Mary? J'aurais bien joué un peu avec lui. Parce que j'aime bien me moquer, il est très sympathique. Il est très sympa parce que malgré son handicap, il laisse... Vous voyez ce que je veux dire? On peut se moquer un peu. Vas-y, il est où ce con? De toute façon, il va jamais répondre. Non, mais là, je suis en train de dev, tu comprends, c'est extrêmement important. Je suis en train de faire les rideaux du 16e arrondissement de GTRP. Non, mais c'est en plus. Imagine Mary à l'airsoft. Ouais, bah, en fait, je vous ai pas écouté depuis tout à l'heure, mais... You. Bonjour, vous êtes sur le messagerie du 07. Ah non. Aïe. Tu m'as donné envie de reprendre l'airsoft, hein, aussi en vrai. Eh, heureusement, j'ai pas une chaîne. Hein? J'allais faire une blague bouffe. Ouais, il regarde son téléphone, mais il ne répond pas. Il a regardé son téléphone, cet enculé? Pourquoi? Il est en live là? Mais quel petit enculé, sérieux? Il est pas en live, si? On a déjà les deux premiers chiffres. Non, mais ça fait 5 ans qu'il a le même et que je laisse le 07 à la. Voilà quoi. Si, si. Et il répond pas. Franchement, mais quelle sous-merde. Allez lui mettre répond. Il va péter un câble. J'aime bien le faire câbler de temps en temps. Allez lui mettre répond. Vas-y, répond. Et vous allez voir, il va faire... Écoutez bien. Ouah. On va voir si je le connais par cœur ou pas. Quand il est dans ce mood-là, c'est quoi le mot? Dites-lui de répondre. Bonjour. Il lit pas son chat.
Il a dit de nous sub. Vous avez qu'à vous sub, bande de fils de pute. Bonjour, vous êtes sur le... À 620 subs, il répond, il a dit. On doit se sub pour qu'il réponde. Oh là 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 là. La prostitution des temps modernes, sérieusement. Bravo, belle mentalité. Il est à combien? Il est à combien de subs, là? Allô? Allô? Ouais. Oui. Mais t'es un enculé, hein? Pourquoi? T'as eu 620 subs, là? Non. Tu fais quoi? Mais je travaille. Mais pourquoi 620 subs? Mais fais pas genre, tout le monde me dit que tu leur as demandé 620 subs en live, là. Je te jure que non. Je suis en train de travailler pépère dans mon... On juste spam comme des gogoles. Ouais, et toi, tu leur as répondu quand on atteint 620 subs. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit je décroche uniquement ce B et que vous montez à 600, environ 620. C'est exactement ce que je viens de dire. Non, il y a une petite différence. Le timbre de voix n'était pas le même. J'attends les 600 mois, hein. Je ne décrocherai pas tant que mon truc pour un blaireau. Tu fais quoi là? Hein? T'es encore en train de faire des rideaux sur... Ouais. Ok. Tu veux je pas venir? Sur quoi là? Ah bah là je suis sur du gros Rainbow Six. Hein. Là t'es ready à partir en game? Ah bah là je suis en train de bannir mes agents, donc je suis plus que ready là. Alors ce que je fais, c'est que je prends une pause de 15 minutes pour aller manger et j'arrive, ok? Ok, mais attends deux secondes. 15-20 minutes. Quoi. Ouais, 15-20 minutes. Est-ce que tu vas faire une sieste? Non, il y a pas. Non, je reste en live, je vais les mettre en AFK. Oui, enfin ça c'est pas un gage de qualité, hein. Tu pourrais très bien faire une sieste pendant que tu... C'est déjà arrivé. Oh my god. Ok, bon bah à tout à l'heure. Vas-y. Ouais. Quelle sourasse. Quelle sourasse. Que voulez-vous qu'on fasse avec des mecs comme ça, sérieux? Va jamais revenir. Ah, oh, je sais pas. Can we have a rotation roll? Okay.
4, last stop standing. Friendly, last operator standing. Décale comme ça, ça. Je déteste ce type, c'est vraiment un escroc. Grave, tu stream jusqu'à quelle heure, Six? 20h, 20h30 cette fois-ci. Après, faut que j'aille faire un foot. Vous connaissez les créateurs de contenu qui font de l'airsoft pour ceux qui sont là-dessus? En France, bon après, me citez pas Northwich, machin, avec son nom imprononçable, là, ou Silo, etc., quoi. Qui sont des gros, gros, gros. Mais en France, en francophone. En francophone! Protect the bombs. J'aime bien savoir. Yo J-Fox, how are you doing J-Fox 1? Down to 10 seconds. 5 seconds to insertion. Alright, trashing us for insertion. Protect your bombs from being defused by off 4. Chef Pampan, Track, Jim, Diabolman, Sniper Shadow. Attends, ça a combien de followers ça? Me donne pas des trucs, voilà quoi, je dis quelqu'un avec plus de 10k on va dire. Mais... Me dis pas ton cousin là, qui a 67 abonnés, tu vois ce que je veux dire. Déjà que 10k c'est pas beaucoup quoi. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de... Est-ce qu'il y a des personnes qui font de l'airsoft ou de la communauté airsoft sur, en France qui font déjà plus de 100k abonnés? Ah, parlons du premier trophée déjà, tu vois. Track Jim, il a 140k. Ah ouais. C'est pas mal. 145, donc je m'étonne que c'est pas mal. Mais non, mais qui fait ça là? On n'entend rien. R6, please! Ubi, please! Augmentez le bruit des pas là. Il y a trop de trucs là dans le jeu là. Je blâme, bouffe, paf, pim, le gun 6, pom, là! Franchement là. Mec, j'entends rien. Je l'ai pas entendu drop. Je l'ai jamais entendu drop moi lui. Hein. Let's go, boys! We can do it. We just need a mute. Let's go Jim. Let's go Jim. We fuck them. We take castle, mute. Mira, Meluzzi, we fuck them in the butt. I take Mira. Amazing. I'm fine, thank you. And how are you feeling? I'm feeling really good, J-Fox1. Protect the bombs. Is Brian in the fucking kitchen or what? Attendez, je sais pas où le mettre la deuxième mirage. Vu le niveau des mecs, tu vois. En même temps, ils vont jouer à la grenade. Et après, les gens défendent mal les trucs. Merci infiniment Arnaud pour les 5 mois, vous êtes des monstres les amis. We need to defend this.
located a bomb. Get ready to engage. Des monstres, merci les polaires. Activating jammer. Yeah, good. Not good. One needs to go in the office, guys. Bien sûr, mais allez vous faire enculer là! Ils sont nuls mes potes! On ping behind you! That's right. Les mecs sont nuls en face, nous on est nuls, tout le monde est nul. Taprak Gajoubert, mais tu fais que une partie avec lui. Vas-y, envoie-moi les références sur Discord. Envoyez-moi les refs sur Discord. Je regarderai si j'ai le time. R6 and its problem sounds drive crazy. Yeah, they do. They actually do. One more salty fan. Ah, allez, on va s'amuser un peu parce qu'il... Ah bah ouais, bah là c'est parti là. Il faudrait qu'on refasse une tier list des opérateurs de Rainbow Six en 2022, je pense. Il y a pas mal de gens qui découvrent le jeu. Mais je pense que ça pourrait les aider. Qu'est-ce que vous en pensez? Mary vient juste de partir manger. 18h22, Mary prend son déjeuner. Normal, dans 1h30, moi je suis parti moi. Et là, en plus, quand il va arriver, lui, il va être vénère. Après, quand je vais lui dire je vais partir, il va dire « Et tu vas où ? Et pour faire quoi ?» Retenez bien ce que je viens de vous dire. Un bon ? Et pour faire quoi ? Be careful, toi, t'es mort dans 3, 2, 1... Ben. Non ? Ah ouais, c'est ouvert direct. Nice, nice. Nice. Op 4, last stop standing. You got the diffuser. Wait. No, he does. N'importe quoi. C'est un pré-ado, Mary. Grave. Non, il est allé à la douche. Non, Mary prend pas de douche. Ça fait 2 ans qu'il prend pas de douche. Merci évidemment, Clem, d'avoir offert à toi-même, en fait, de payer depuis 2 mois tes droits de scolarité au sein du campus de la Salty Academy. You're a fucking monster. You're good. Merci, poulet.
Est-ce que tu penses qu'un smoke dans une équipe est très fort ou au 4 tiers? C'est très fort. Faut savoir le jouer avec un shotgun, mais c'est très fort. Et du coup, tu vas où et pour faire quoi? Football. Tu joues à combien de luminosité? 53,2. Tu t'en fous de la luminosité, ça veut rien dire puisque tu connais pas la référence de mon écran, tu connais pas la référence de mes settings Windows, tu peux pas savoir. Ne prends pas la tête avec la luminosité. Si t'as pas connu l'année 1 de Rainbow Six, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Top 3 les agents, faudra faire une tier list. B quoi B mec, on n'est pas sur CSGO là. What do you mean B? It's not CSGO bro. Where are they? Basement? Oh. Pourquoi c'est de meuf en kill tout là? C'est qui avec le kill tout là? Frost? C'est Wamai? Wamai en kill? Une moto. I'm drawing. Down to one friendly. Oh, mais je pensais pas qu'il était contact. Ah, je pensais pas du tout qu'il était là, il a pas fait un bruit ce bâtard. Oh, je suis trop con. Je t'ai mis 3 liens YouTube. Ok, mais pas... Mets-le moi en DM plutôt, GaryWolf9, bro. Mets-le plutôt en DM. Autrement, je lis pas le channel récréation, les amis, autrement je fais que ça toutes mes journées. Merci évidemment Vix pour les 9 mois de... Super étudiant du campus de la Salty Academy. 9 mois. Merci Poulet, t'es un monstre. Vraiment. On y est presque. Hein. Au retour de mairie, de mon côté. L'autorisation du retour de mon côté. Vous pouvez le faire, les amis. Une fois que j'autorise ça, bam, on peut passer au sub-goal suivant. Quel est-il? Le Salty Truel. Un Salty Duel à 3. Oh, je pense pas mal. Hein. 1000 euros de cash price. Un vrai retour ou pas? Ah bah si, là, le sub goal de son côté.
Eh, franchement, mes sub-goals, je tiens ce que je dis, non? Quand est-ce que je mens, quoi? Ouais, les trucs sur lesquels je suis à la bourre, mais j'oublie pas. Demain, je me sub. Merci de suivre. 10 seconds before insertion. Ah. J'ai un problème sur Rainbow Six, hein. On met quand une porte de mini pixels, quelqu'un saurait régler le problème. Pour les informations Discord, Zeko. Non, si ça existe encore, what the fuck. Oh bah ouais, bah ça reste toujours meilleur que Fortnite to code, hein, t'inquiète. Bienvenue frérot. Installe-toi confortablement, ça va bien se passer. There is no one in the garage. Maybe one at the top. On my ping. Dans le chat, je le dégomme. Rejoindre le Discord, je me suis fait hacker il y a 7 mois sur mon compte. Ça mettait un message PAM dans tous les salons, du coup je peux plus rejoindre. Bah tu refais un autre compte, Zeko. Arrête avec ton mytho là, on dirait... Putain ça me vénère. On a perdu ? Putain la vache ! Victory ! Règle générale, la dernière fois que j'ai regardé, quand les adversaires gagnaient, c'était pas une victoire. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Peut-être pour la bienveillance, la bien-pensance, tu vois, maintenant il faut plus dire défaite, victoire, tu vois. Tu perds, mais t'as gagné quand même, tu sais. Bravo! C'est pour le mental. Ah, c'est ça, ils sont tellement dans la bienveillance. Non, il faut enlever le perdu. Il faut mettre n'a pas trop gagné, mais c'est pas mal quand même. Et victoire. Tout le monde est victorieux. Tu as joué à Rainbow Six, tu as fini ta partie. Bravo, c'est déjà pas mal, tu vois. Mon Dieu. En soi, dégommer veut dire que tu enlèves la gomme du coup que tu l'aides. What? Je sens qu'avec l'arrivée de Rainbow Six Mobile, l'export aura de beaux jours. Ah oui, l'export, ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Ah oui, ça c'est sûr. L'export de mobile, du coup. Juste pour le plaisir de te voir péter un plomb à cause de Mary, hein. Dès que j'ai mon prime, je me sub. Eh ben voilà. Dépêchez-vous, ça change tous les jours quand même, hein, le sub goal, hein, je vous le dis. Ah ouais, hein. C'est ça le but. Hein. C'est fluctuant. Hein. Voilà quoi. Il arrive à quelle heure, l'autre? Il va mettre 2 heures encore. Je vais lancer une game. Il va arriver et je vais être en game. Et on va pas pouvoir jouer ensemble. Belle défaite. Hein. Truc pas trop sarcastique. L'équipe bleue s'est bien battue. Hein.
Salut Six, une question. Qui trouves-tu meilleur entre Sheiko, Godly et Spoit? Bonjour, aucun d'eux. Je suis bien meilleur que tous ces blaireaux réunis. T'as d'autres questions, n'hésite pas. Hein. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir de te répondre en plus. Franchement, voilà quoi. Je les bouffe au petit-déj, moi, ces mecs-là. Là. Sérieusement. Tu les as déjà vus en LAN? Non? Bah voilà. Il y a une raison derrière tout ça. Il y a une raison. Surtout Spoit. Créateur de contenu. Bolo, il les carré tous. Ouais, c'est bon. Bolo, maintenant, il a prouvé. Il peut. Shake aussi, au final. Au moins, il aura le temps de s'échauffer. Ah non, ça arrive à mettre 2 heures à s'échauffer. Bah, let's go. Moi, je m'en fous, je lance une game. Je peux t'envoyer mon Discord, sinon en privé, pour rejoindre. J'ai que ça à foutre. Bien sûr. Bien sûr, si t'as une bar mitzvah ou le baptême de ta petite sœur, envoie-le. Je viendrai. Ah non, Zeko, tu te démerdes et tu reviens sur Discord et tu poses ton truc. Déjà, je suis sympa, tu vois. Pour pas pousser mémé dans les orties. Finalement, Mary revient à la salty. Ah, ça dépend du sub goal chez moi et chez lui. Hein. Voilà quoi, on verra bien. Hein. On verra bien. Quelle est la lune ou que t'aimerais coach? La lune? C'est vrai que c'est une question que je me suis jamais posée. De coacher sur la lune. Ça doit être une expérience. Hein. Et quitte à choisir la lune, bah autant prendre... Il n'y en a qu'une en fait, je crois. La dernière fois que j'ai checké, je crois qu'il n'y en a qu'une. Rappel de Gaston, tout le monde se souvient de Gaston. Tout le Twitch game se souvient de Gaston. Et quand ça commence comme ça, ça me fait plaisir. Hein. Et franchement, Rogue Talk, t'inquiète. Franchement, t'inquiète, hein. Len, il revient quand? Jamais. Il a été insolent. Ce truc là. Ah, c'était elle tout à l'heure. Ok. Ah, je pensais que c'était un kill de dos quoi. Et je crois que j'ai pas fait de kill avec cette arme encore là. À faire le gros blaireau. T'as remarqué que t'étais pas très fan de Rook et Doc. Non, mais il y a un moment faut évoluer quoi, tu vois. Il y a un moment, faut évoluer un peu, tu vois. Il y a quand même mieux, quoi. Moi, je peux le prendre, Rookie Doc. Je peux faire des kills avec Rookie Doc. C'est pas le problème, tu vois, mais bon. Voilà, quoi. Il y a quand même mieux, tu vois. There's one with him. Si il reload, il va se mettre là. Oh, j'ai peur. Op4 located a bomb. Protect it.
Oh non. What? J'ai pas bougé, mec. Oh, je fais que de la merde. Je suis plus dedans, là. Move de plot contre move de plot contre move de plot. Merci tout cas pour les 17 points, t'es un monstre, poulet, vraiment. Le monstre. Thunderbird tout droit doc matin, midi et soir. Grave, la preuve. Oh, ça joue bien là. À droite hein. Bah ouais, ouais, toujours en fait. Fontaine. She's in the fountain. And now in the desk. Can you hit the high note? You got the diffuser. But no dad. You're such a good player. You told us where it was, didn't you? You fucking asshole. Oh my god! En forme, en forme. Le pauvre MDR, bah je lui ai engueulé, je lui ai fait une petite musique en lui disant mec, il nous ping le diffuse, bravo, il a fallu qu'on arrive sur ta killcam pour qu'il nous dise que t'as les diffuses. Il aurait pu le dire, tu vois. C'est important que je le soutienne. Bathroom. Oh, c'est sympa à jouer mais là je me fais chier en fait. Oh non, vas-y putain, fuck. Vas-y tiens. Oh, eh, oh, eh, oh, eh. Capcan, Border, Capcan, Capcan, Border, meilleur, meilleur ever. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'endroits où les gens ne se rappellent même pas que c'est des passages de porte. Je vais donc vous montrer. Secure the bombs. Exemple numéro 1. Ici. Ready for company. Exemple l'arme de numéro 2. Silencieux, on dirait le son d'une réplique d'un HPA. Ici. Où est-ce qu'on peut en mettre sympathiquement? Exemple 3. Well secured. Ah, je sais pas si on peut en aller. Ah, normalement, c'est tout le temps. Down to 5 seconds. Ah non, fait chier. Où est-ce qu'on peut le planquer dans le truc? Où est-ce qu'on peut le planquer déjà? Il y a un endroit où on peut carrément le cacher. Où est-ce qu'on peut le planquer déjà? Où est-ce qu'il peut être planqué déjà? Oh fuck it! C'est que de la merde. Sorry des amis. Il fait quoi l'autre? Oh putain, attends. One more salty fan. One more salty fan. Oh, il est pas là. Pardon. Désolé. Voilà, c'est mieux. Non, putain, ça me saoule. Je voulais vous montrer un truc là. Il y a un endroit où on peut le cacher. C'est pas là? Où est-ce qu'on peut le cacher? C'est Sissi, mais c'est pas. Ah oui! Non, pas vraiment. Oui, ah oui, 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 t'as raison, Xinou. Dans le sofa, ça a été patch. Oh mon dieu, il est invisible. Putain, t'as raison. Juste à ma droite là, en fait. Ah bah, comme un con, je l'ai cherché pendant 2 heures pour rien. Non mais sérieusement, en revanche, bon après il n'y en aura pas parce que là on a une bonne défense sur top et tout. Mais ici là, main stairs I think. Hein. Vraiment, vraiment, c'est vraiment traître quoi. Capcan c'est vraiment
Voilà. Sur Border, c'est la meilleure map pour prendre Capcan. Vraiment. Et t'en mets pas deux, tu vois, t'en mets vraiment partout, quoi. T'en mets vraiment partout. C'est trop chiant. Sorry? I want to kiss Stinger. Alright. Custom. Vas-y, je vais reprendre Capcom. Est-ce qu'il faut pas jouer Flash Hider avec cette merde, non? Ça, ça fait longtemps que je l'ai pas... Zbra! Oh, il est joli celui-là, dites donc. Ah, merde! Il est sympa celui-là, non? Ah, mais c'est Azami. C'est Azami. Moi, je me fous mon temps... En haut, 90, un kill à chaque coup. Montant en haut, 90, un kill à chaque coup. C'est-à-dire. Où je l'ai mis là le dans le couloir sortie bureau. Last operator standing. Last on the CCTV. Yeah, it's droning from outside the window, I think. He's in. Loading mag! Southeast. I think, yeah. Down to 15 seconds. Op 4 found a bomb. You must defend it. I can't hear that shit. Je l'entends pas, quoi. C'est horrible. Je l'entends derrière moi, je sais pas trop. Du coup, ça me fait hésiter. Horrible. Horrible. Horrible, ce game.
Merci Say My Name, nouvel étudiant. Mr. Machamalo, nouvel étudiant. RXV, 11 mois. Sniker Sen, 10 mois. Vous êtes des monstres, les amis. Des putains de monstres. Merci de permettre au campus de la Salty Academy de vivre, survivre. It was fucking top. Horrible. Au moment où il est arrivé, tu te dis ok, bon, Game Sen, j'ai regardé, machin, je suis sûr qu'il push. Et il y a eu un moment où dans ma tête, j'ai douté. Je me suis dit, putain, il est où? Il est... Je sais qu'il est à ma droite, mais... Est-ce que, petit 1, je l'entends par le... Enfin, je savais pas où il était. Je savais pas où il était. Ça m'a complètement fait douter. Donc, impossible de pré-shot. Donc, pick advantage, 90, tout ça. Voilà, voilà, voilà. Ça me vénère, ça. Bon, c'est quand même... Ça va, c'est quand même assez rare, quoi. Ouais, j'aurais dû me placer mieux. 0-3. Nice. Nice. Yo, Diabzy. Twitch, would you be able to get the bandits over here on B? Tell me. Where is it? I'm super far away. I'm going east stairs, so... Like the 1T1? I can't. I will get my drone. There is no one on the right side here. On my ping, there is no one. Worth? On my ping, so left side of the CCTV there is. De la merde. J'aurais dû venir les aider les petits. Voilà, c'est la pure game. La pure game. S'il revient avant 20h30. Ouais non, 20h je me casse. Faut que j'aille faire du sport. Faut que je me bouge le cul. Tiens, prends mon skill. Ouais, tu t'appelles Dorian, relax. Donne plutôt ton sub. Hein. C'est quoi ce point là? Waouh. Ça doit du craquage. Non, ça va, ça va. Là, je suis jovial. Je suis relativement jovial. On gagne. Ouais, même si j'en branle pas une. Ah ouais, mec, ça fait deux petits wall shots que tu nous fais, toi. Le mec est bon. Ok, bon.
Je sais pas quoi jouer honnêtement. Vas-y, j'ai envie de jouer en sledge. On va s'amuser un peu. Zbram, on va aller jouer le top. Bram, parce que je pense qu'il va être en dessous. Bram, 1-5. 1-5. Ouais. Non. Ouais. Ouais. Non. Ouais. 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 C'est qui déjà ça? C'est Jill Valentine, non? Ah, c'est Jill Valentine. Ah, je fais de la merde. Yo tout le monde. Need to use your drone to locate a bomb. Important le skin. Voilà. Oui, c'est Jill. Alright. Jill Valentine. Albert Wesker. Rebecca Chambers. 10 seconds to insertion. Barry. 5 seconds. Can somebody help me get a bomb? I'm so confused. Make your way to its location. I'm going to take the top drone. Coming with it. I'm coming on you. Shut up. Don't laugh at my joke. No, it's very hilarious. Sarcasm. Comment on va tourner? There is no one on my ping on office. Office is clear. Okay, archive is clear. Yeah, one of them is like super weird, right? No, he's definitely cheating. He shot me through the wall, like directly all the way. Yeah. One of them is super, super, super sketchy. And then he stopped shooting. Yeah. Kill me. Fontaine is clear. Office is clear. Archive is clear. You can go, Ibana. I don't know about main stairs. Careful. Yeah, main stairs are clear. I don't know about CCTV. East stairs, cafeteria is clear. CCTV is clear. Top floor is clear. Et voilà, j'ai perdu 3 minutes. Why is the diffuser all the way to the spawn? Get it in bathroom A. I can set a fuse down there. Cover it. First thing. Il est trop fort, il est toujours là. Il est trop fort. Mais... Top, maybe. La bombe est à l'autre bout. Bah, il l'a perdu contre un cheater. La 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 la. La la la. Je conseille quel équipement pour le récup de le fusil d'assaut de Zofia? Prends la LMG, hein, franchement elle est bien. Elle a zéro recoil. GG boys! Zéro kill. Exceptionnel. Bye bye. Alright, boys. Merci encore, Say My Name 684, j'avais dit 84, vous êtes des monstres. Pour l'exclamation de charme pour tous les nouveaux étudiants, encore plus de la Salty Academy, vous êtes des monstres. Alright? Des fucking monsters. Fucking monsters. Du coup, l'autre il va se pointer, je vais me barrer, hein. C'est sûr. Hein. Ah, c'est sûr. Il va se pointer, je vais me
barrer. Je serais bien allé me faire un petit Thunder Tier 1 là en plus. Là, il faut absolument qu'on le termine quoi. Mary et ses 15 minutes. Il est parti il y a combien de temps? Hein? Il est parti il y a combien de temps ce petit. Il y a 30 minutes? Il avait dit 15-20 quoi. Quand ils vont nerf les LMG, on va bien rire des Ophia qui ont pas traîné sur leur. Bah oui, oui, mais après. Et je pense qu'ils peuvent. Oh, ça va, franchement. Traîne les LMG, traîne les machins. Franchement, il y a no recoil dans ce jeu, quoi. Franchement, jouez à CSGO, jouez à Valorant, revenez sur ce jeu, vous allez dire, ah ouais, ça va en fait. Vous allez voir. Ah, ouais, non, franchement, voilà, quoi. Il est là? Ah, non, sérieux? Il est là? Dites-lui de venir en live, là, parce que là, je viens de lancer, là. Ah, eh, timing de ouf, hein. Tu vois, j'avais bien précisé, hein. 15 minutes. Voilà. Fois 2. 15 à 30 minutes. Alors, j'ai pas entendu le 30. Oui, parce que tu n'écoutes pas. Tu entends que les mots qui t'intéressent. Ça doit être ça, ouais. Bon, ça va? Oh, oui, ça va bien. Ça va bien, oui, ça va bien. Les choses se déroulent bien. J'ai bien mangé. Je me suis bien nourri. Je me suis bien sustenté. Ok. Tu, on va jouer sur Rainbow Six? Ouais. Ok. Ah, je t'attends parce que dans une heure, je pars, moi. Ouais. Ah bon? Ok, alors attends, j'arrive. Quoi? Comment ça t'arrive? Je change juste mon titre. Moi aussi. Je vais changer mon titre. Je vais mettre avec Mary. Non, je vais mettre Mary est champion. Point d'exclamation. Point d'interrogation. Champion de la connerie, ouais. Je fais ce que Roi n'a pas fait, hein. C'est-à-dire changer le titre que je lui ai dit avant de manger et tout ça, donc voilà, tu comprends bien que je dois me débrouiller seul. Ah ouais, moi aussi. Ah, hein. C'est la vie. Oui, moi, non, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mec. Hein. Ah oui, bah surtout pour changer le titre. Hein. Surtout pour changer le titre. Tu te fous de ma gueule? Non, je te l'ai dit. Aura, toi, merci évidemment, 2TXI, nouvelle étudiant du campus, bienvenue pour l'été à Mons. Vous êtes des Mons, les amis. Je ne sais même pas comment tu welcome. Point d'exclamation, charme, n'oubliez pas, nouvel étudiant. Charme, charme. Et si vous avez le prime, le charme est gratuit. Allez hop, on lance le EUGE. Vas-y, j'ai même mis en gros ton. C'est Mary est champion, quoi. C'est même pas 6-4 avec Mary, c'est vas-y, quoi. C'est Mary, quoi. Les gens viennent pour toi, quoi. Les gens viennent pour moi. Et après, tu feras quoi à 20h quand je me casse? Bah, du dev. Non, mais mec, attends, j'ai envie de hoster les gens vers toi. Bah, ne les hoste pas. Hoste quelqu'un d'autre ou ne hoste pas. Non, j'aime pas les gens. Ouais, moi non plus. Je deviens aigri en vieillissant. Ah ouais? Ouais, je deviens aigri. Parce que j'ai regardé, tu sais quoi, hier, genre avant de me coucher, j'ai regardé des vidéos de nous au tout début. Ouais. Eh ben on était déjà aigris. Non, t'étais vraiment adorable. C'est vrai. Moi j'étais un vieux con, ça j'ai pas trop changé. Ouais. Mais toi t'étais adorable. Ouais, je suis devenu aigri. T'es vraiment devenu. Je veux pas, tu vois, j'aime pas remuer la tronçonneuse dans la plaie. Hein. Non, mais non, t'es vraiment devenu un gros chien quand même. Un bon gros c'est... fils de pute. Non, attends, mais... j'ai pas terminé. Je pense que t'es une sous-merde maintenant. Alors qu'avant ouais, t'étais sympa, maintenant t'es une grosse sous-merde. Le truc qui s'est passé, c'est que moi je suis arrivé dans ce milieu avec mon innocence. Et on a violé mon innocence. On lui a fait un boucaquet dans la gueule à mon innocence. Ah ouais, là, tu viens de violer le 2-3 voilà. Oreilles chasse. Hein. Et ce qui se passe, c'est que voilà, je suis. Maman, c'est quoi un boucaquet? C'est Non, commence pas. Please, on peut arrêter ça. Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Le retour de Mary. Ouais, non, le redépart, mec. Le redépart. Il est revenu, il est reparti. Quoi? Je peux leur offrir Stop. Ah, vas-y, attends, je t'invite. Vas-y, s'il te plaît, t'es relou, là. Non, y'a rien de relou. Si. Non. Ok, mais on n'en parle plus. D'accord. Merci.
Oh my god. Hop, hop, let's go. Bon, je suis pas chauffé. Hein. On c'est part, pas grave. On part, je sais que tu vas être exceptionnel de toute façon. Oui, voilà. Mais voilà. Oui. Voilà. Mm-hmm. Voilà. Oh. Tranquille. Voilà. J'ai roté. Oh non, bah on a fait bien compris que c'était pas un soundboard. Hein. Alors comme ça, tu veux te remettre à l'airsoft? J'y pense, ouais. Ouais, et ça c'est un truc qui me plairait énormément, mais vraiment, vraiment énormément. Mais il y a 2-3 contraintes. Il y a 2-3 contraintes a priori. En VR, l'airsoft en VR, mais ouais, je joue à squad. L'airsoft, mais je fais sniper depuis ma fenêtre. Ah, ok les gars, allez. Je suis sûr et certain qu'en airsoft tu serais à peu près aussi nul que dans les FPS. Ouais, non mais ça fallait que ça arrive, le besoin de dénigrer la personne pour montrer que toi forcément tu vas être meilleur. Non, vraiment. Non, je suis un monstre. En airsoft, je suis un monstre. Je ne sais pas, je n'en ai pas. J'ai fait du paintball par contre, et on se démerdait plutôt bien en paintball. Et paintball, ça tapait. Hein. Fallait pas avoir peur de la petite. Mais en fait, ce que je n'aime pas avec l'airsoft. Et c'est pour ça que j'avais... Enfin, la préférence que j'ai avec le paintball, c'est que le paintball, tu peux pas vraiment... Et déjà, il y en a qui simulaient quand même. Mais tu peux pas vraiment esquiver le fait d'être touché. Et en airsoft, il y a trop de rage, trop de mauvaise foi, quoi. Trop de mauvaise foi. Non, pas du tout. Ça m'a pas du tout tapé. En airsoft, ça va, il y a quand même pas mal. Il y en a. C'est comme... Il y en a pas tant que ça. Il y en a pas. Mais moi, je pense qu'en airsoft, je jouerais full sniper, quoi. Full sniper. J'ai un sniper airsoft. J'ai eu mon époque airsoft hein, quand je pouvais me déplacer. On avait fait un peu d'airsoft. J'avais un Glock 17 full metal à cul à gaz. Il était magnifique. Et à j'avais, gaz, j'avais CO2 j'avais... ou bonbonne enfin, les petites, le chargeur, en fait, dans le chargeur, il y avait un truc avec une grosse pchhh. Voilà. Ok. Et le Glock était magnifique. Hein. Magnifique. C'est quoi la marque? Le Glock. Non. Non, la marque c'était. Il tirait pas des bigs. C'était un Glock. Hein, un ça... Tokyo Marui, non? Non, je sais pas, à l'époque. Tu sais que je reçois toujours des mails de Taïwan. Attends, c'est. J'avais acheté ça, vous? Ah ouais, ouais, ça m'étonne pas, ouais. Red Wolf? Je sais plus. VFC. Mais je reçois toujours des mails de Taïwan Airsoft ou je sais pas quoi, c'est là où il y avait jamais. Mais maintenant c'est fini ça. Hein. Ah ouais? Bah, à l'époque déjà, t'avais ton colis 30% du temps, il se faisait contrôler par la douane et apparemment maintenant ça a bien augmenté. Et c'est plutôt 70-80% du temps qu'il se fait contrôler par la douane, quoi. En plus, quand tu tombes avec les petits enculés de chez Colissimo, à chaque fois ils te rappellent frais de dossier, 20 balles de frais de dossier. Quand bien même il n'y a rien eu, 20 balles de frais de dossier. Ah non, l'airsoft, j'aimerais beaucoup. En plus, moi j'ai une forêt juste à côté, on pourrait en faire. À côté là, moi je pourrais en faire. Viens, on en fait dans ma forêt et tout. Alors par contre, prenez des billes biodégradables, mesdames et messieurs. Il n'y a 0,20. Plus que ça maintenant. Les billes blanches de 0,20. Voilà, c'est important. Il n'y a plus que ça maintenant. Pas... Tout le monde fait vrai, de la biodégradable. Avant c'était de l'amidon de maïs pourri et maintenant c'est pas mal apparemment. Ouais. Mm. Ah, je me suis renseigné, j'ai commencé à m'enseigner. Avant, ouais, les biodégradables c'était de la merde, ça pétait dans les gearbox. Ça avait tendance à casser. Mais apparemment maintenant, tu n'as plus que ça quoi. Bon, c'est l'avenir ça, hein. Vraiment quoi. Les 0,20. Moi j'ai utilisé des 0,20. Il vient de t'inviter dans sa forêt. Il y a un mec, il a quand même mis. Il va acheter pour 3 000 € de matos pour 2 semaines, mais rien, on le connaît. Bah, c'est franchement, c'est vrai. Ça aurait pu être vrai si j'avais les sous. Oui. Je serais tout à fait capable. Ça me prendrait comme une lubie. Je dirais si ça. Oh, regarde la M4 que je me suis acheté avec les accessoires, l'optique, le laser. J'ai pris aussi un petit Glock parce que j'aime ça. Et un 1911 parce que voilà, c'est juste parce que j'aime l'arme. Oh, j'en ai profité pour prendre un sniper qui était en réduc à moins 50%. Il y en a juste pour 830. C'est tout à fait ça. Au bout de 3 jours, il commence à se faire défoncer la gueule. Il fait ouais, mais je pense que je vais arrêter avec le sniper. Et non, tout. Pourquoi défoncer? Pourquoi le besoin de dire non que je vais me faire défoncer? Bah, c'est ouf. Hein. C'est dingue ça. Ça, c'est un vrai problème que t'as. T'as un problème avec ça. De vouloir absolument me rabaisser. Qu'est-ce que t'en sais que je vais pas me démerder? Peut-être que je vais faire des conneries, peut-être que je vais pas être très bon, peut-être que tu vas m'apprendre. Ok, aussi, ok. Mais il y a une part de possibilité. Attends. C'est-à-dire que c'est pas très bienveillant de ma part de dire que tu vas te faire défoncer. On est d'accord. Ouais. Ça, on est parfaitement d'accord. Ce n'est pas bienveillant de ma part. Mais il y a peut-être une part de vérité. Tu ne m'as jamais. Ah.
Tu me laisses pas sous-entendre la possibilité que... Je sais pas forcément comment faire un bon assaut, comment faire des bons déplacements, comment non, bien... Non, c'est pas ça. Je pense pas, si tu peux me permettre, mon cher Mary. Je pense pas que ce soit le problème. Tu penses que je sais pas viser? Ah non, 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 non. Moi, je pense que tu peux être un excellent sniper, tu peux être un excellent joueur de FPS, tu peux être un excellent tout. Et tu ne sais pas te remettre en question. C'est vrai. Tu ne sais vrai. Pas du non, tout non, te remettre non, en alors, question. C'est pas que je sais pas, c'est que je mets du temps. Un délai de 4 à 6 mois. Okay. Ouais, tu peux pas partir du principe que... Enfin, je pense que c'est plus facile de se dire « je suis nul ». Faut que je change tout, plutôt que de se dire « non, mais c'est ok, non, mais c'est l'excuse, non, mais c'est ça, non, mais c'est de la météo ». Non, mais je pense que tu devrais vraiment là te taire. Non, mais c'est pas méchant, là, vraiment. Si, c'est méchant. Non. Il y a un truc entre les deux. Il y a un truc entre les deux, tu vois. Il y a forcément une part de vérité qui blesse un peu, mais c'est pas une volonté réellement là pour le coup de faire le spectacle et de me foutre de ta gueule quoi. C'est pas une volonté de rabaisser, ça arrive parfois, ça fait partie du truc, ça fait partie du duo. Mais quand même, de temps en temps, je pense qu'il y a un peu plus d'excuses que le fait de se dire « Ok, j'ai fait de la merde, comment est-ce que je pourrais faire, comment est-ce que je peux éviter de faire la même chose la prochaine fois ?» Non ? Attends, je suis concentré là. Ouais, bah voilà, par exemple. Non. Bah ouais, mais excuse-moi d'être concentré pour de vrai, hein, en plus. J'ai cru que c'était des choses. J'ai cru que c'était des pieds de... Là, s'ils veulent revenir, je les pique. Hein. Ouais, j'entends rien, je sais pas où elle est. Il y a une Cavera sur moi, elle va me défoncer dans 2 secondes. Moi, je sais qu'il y en a un juste là. Voilà, il casse les trucs. Voilà. I don't know, the cavalry is like roaming somewhere. Voilà, il les casse, il les casse. Là, il va se ramener. Don't move, don't move. Ouais, je vais me faire défoncer parce que personne d'anti-roam, quoi. One just walked in the grill. Walking out of grill, going to the shark. Who? I don't know, I can only see feet. Okay. Thanks, the cold was perfect, bro. I'm coming now. Il doit être sur moi le dernier, je pense. Voilà. Op 4 neutralized. Mission successful. Non, mais c'est super cool l'airsoft, hein. C'est super cool. Oui, et puis bon, après, il y a plusieurs types, quoi. Être bon, il n'y a pas vraiment de compétition. Donc là, tu peux pas définir un truc bon, pas bon. C'est du fair play, machin, tu vois. C'est plus... Mais moi, en airsoft, j'ai fait un tir à 6 km. C'est le mec qui est un gros mytho. Merci je regardais ce King Berita pour les 17 mois, t'as mon Oui, hier matin, c'est pas trop. Les records de tir létaux au fusil de précision. Et à ce qui paraît, le record serait du 3400. Un américain. Un canadien, il me semble. Ah ouais? Un canadien qui a tué quelqu'un. J'ai lancé un caribou. Ah, oh, désolé, désolé. Et ouais. T'imagines 3 kilos. Mais 3 moi, kilomètres. En revanche, tu me ferais rêver si tu bougeais ton cul et que tu venais. Hein. Mais franchement, hein. Mais venez. En plus, le pire, c'est que. À Nantes. Bah, ok, t'as raison. Ouais. À la limite, si c'était en Bretagne, d'accord, mais... Mais nique ta mère. Et du coup, non, franchement, si pour perdre de l'airsoft, ça me ferait trop rêver que t'en fasses. Hein. Vraiment, moi, je peux... Ah ouais, non, mais parce que moi, je pense que si j'en fais, si ça commence à marcher, honnêtement, j'en ai parlé tout à l'heure avec le chat, il y aurait possibilité que j'en fasse une chaîne YouTube, je pense. Bah, c'est pas con, hein. C'est pas déconnant. Hein. Oh bah non, mais juste pour le kiff, quoi. Mais tu vois, tu serais toujours sur Paris. Voilà. Maintenant, t'as voulu partir à Nantes pour X raisons. Ah ouais, y'a zéro lore, quoi. On bat les couilles, quoi. Tu veux pas donner mon numéro de sécurité sociale? On s'appelle par nom-prénom? Mec, tu l'as dit que t'habitais à Nantes. Ouais, bah ouais, mais bon, mec, non, en fait.
Tu m'as dit Manon, c'est le compu ouais, ouais, la okay, Nantes. Okay, oh. God damn it, Mary. God damn it. Oh, mais Galoul, ah ouais. Oh, il est allongé, mais faut vraiment être la reine des putes pour faire ça, quoi. Non, mais allongé à une porte, quoi, s'il te plaît. Et ça le fait rien. Ce barjou, il te remet ça sur le dos. Ouais, il est ouf. Moi je vais organiser un truc près de chez moi là dans la forêt. Ouais d'accord. Bah moi elle est à 200 mètres la forêt donc ça va. La forêt de quoi pardon. La forêt de Sénart. Ah ok d'accord. Voilà. Moi t'habites où toi? À Quincy. Ah Quincy ouais. Ok. Ok Vincent. Ouais. D'autres questions? Non je t'en prie. Moi j'ai pas de l'or. Hein. Ah ouais non mais bah, oui je sais bien. On va changer le viseur et mettre un meilleur viseur. Il y a du bon pinard à Quincy. Il boit pas, lui. Il devrait, ouais. Mais il boit pas. Tu savais comment on dit Quincy en anglais? Quincy. Voilà. Et il y a des villes qui s'appellent Quincy. En Angleterre et aux États-Unis, je crois. Quincy. J'étais choqué. Ah ouais. Ouais, Quincy. Ça doit vouloir dire un truc, Quincy. Hein, pour. Mafia Quincy. Parfois. Pardon, pardon. C'était pas ouf. Mais rigolo quand même, mais pas ouf. Il y en a qui n'ont pas la rêve, je suis sûr. Ouais, c'est possible, hein. C'est fortement probable. J'adore Booba. Voilà, MDR, la rêve, seuls les vieux auront. Ouais, ouais, ouais. Let's go camping and clear them out. Oh, ok, d'accord. Oui, je me suis foutu de sa gueule. Drop the diffuser. The diffuser has been recovered. Where are they? Where is he? Aucune foutue méga idée de l'emplacement des adversaires actuels. Oui, il a pris un one là. Ouais, j'ai entendu un. Tic tac. Continue tout ce que tu fais, tes vidéos et tes conseils m'ont grave aidé pour RC, ils sont même la Salty Academy. Ah, there is no one. Kavara. Cover me! Reloading! Vas-y, bouge-toi les capcans devant moi. Ah, c'est les capcans, putain, je comprenais pas. Ok, sur la droite, contact droite, t'en as un. Oh, bah, un capcan aussi. Dégage là! C'est qui lui là, le Ace là? Un jour tu pourras avoir une voiture et te déplacer librement? Non. Sur la chanson Libre Max. Avec le chat sur le côté, la tête au vent. Il n'a jamais. Wouah, casse. Oh, il est mort! Il est mort, mec! Putain, merde! Bah, rentre fou la Kavara. En même temps, elle est un peu con. Elle voit un drone devant et elle se retourne pas, la fenêtre ouverte. Tu sais quoi? Je vais prendre un opérateur qui est vraiment worse. Bien, ouais, genre.
qui est vraiment... il a que le style pour lui, celui-là. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. C'est mais toi, tu crois trop les rumeurs. T'as la ref ou pas? Ou je sais pas si t'as la ref, en fait. La ref de la musique, là? Ouais. Bah oui. Ah ouais, ok. Merci. Je connais Alain Souchon. Ouais, franchement, j'aimerais bien faire la blague, mais je sais absolument pas qui chante ouais, ça. Moi non plus, en fait. En vrai, j'en ai aucune idée de qui chante ça. Qui chante ça, d'ailleurs? Ah, je sais pas. C'est la musique qui chante. Mais je sais, aura putain, le second degré, quoi, les gars. Ah ouais, non, mais c'est chaud. Hein. C'est Garou, hein, faut sûr. Garou. Il est venu dans ouais, c'est pas le père Froid, ça. La clé tu iras chercher mon second. Mon premier, mon deuxième. What are you doing, Indifian? Ferme ta gueule. Ok. Mais ferme ta gueule, putain. J'ai dit ok. Mais non, mais bah, je l'ai pas entendu, il était trop tard, il me visait depuis deux secondes. Bah que ta mère, ok. Bah que ta mère, mais non, mais je vais pouvoir ta game, c'est pas grave. Il est venu le temps. C'est toi, Indifiante, là? Oui, 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 oui. Ah, bah t'es vraiment de la merde. J'ai cassé ça, là. Cours vers le truc, cours. Hervé Cristiani. Je connais même pas, c'est vraiment qui chante. Ah ouais, bah, je suis mort. Bah, bah, bah ouais, là c'est... Il est venu le temps de... Tu sais ce qui serait intéressant? Ouais. C'est qu'ils offrent un outil... Alors je suis dans le mapping là, c'est pas très objectif. Do the fucking... Ouais, voilà. Out, what the fuck? Ce qui serait intéressant, c'est qu'ils fassent un système d'éditeur de map. Ouais. On puisse fabriquer nos propres maps sur R6. Oh ben non, mais mec, t'en demandes trop, y a même pas d'anti-cheat, s'il te plaît. Non, mais ça serait génial. Genre, imaginez-vous, oui, bah oui, ils offrent un petit génial. Panel, un petit panel, et on fait nos propres maps. Oh, mais ça serait excellent, quoi. Bah y a plein de trucs qui seraient excellents, ça sert à rien. Surtout que c'est un jeu où on peut tout défoncer, y aurait trop de créativité et tout. Ça serait génial. Oh la vache. A droite là, tu veux ouvrir ton angle? A droite, là où tu regardes là, putain, connard. Je l'ai sur la caméra, scalping. Oh le level. Scalping. Scalping. Il est pas là-bas, il a fait le tour, il est derrière, il est à mon ping. Ping 3. Ban à Eryx. A vie, on s'en fout. Ping 3, je le vois, il passe là. Il est au rebord de la bridge, ok? Il fait le tour. À qui tu parles là? À toi. Bah, moi je suis mort en fait depuis une heure. Ah, c'est pas toi une défiante? Non, pas du tout. Okay. Il meurt sur le trap de Capcom. Wow. Il est venu le temps des comédiens. Non. Eric, t'as entendu ce que je t'ai dit ou... De quoi? Non, rien, je parle à... Merci Romain, j'avais pas vu pour les 2 mois de frais de scolarité. Un bon étudiant qui se respecte sur le campus. Un Academy. Le monstre. C'est vraiment des abrutis. Ah oui, ah oui. Ils savent pas vraiment comment on joue à R6. Du coup, ils viennent voir 6-4 pour apprendre comment jouer. RXV, surveillant, il y a quelqu'un. Des gros teubés, ils y arrivent pas. Ban l'autre là, Nico machin là. Tu le bannes lui, c'est tout. Une fois, deux fois, il dégage derrière.
Ça va mon... Ah, ouais. Ma réintégration est toujours d'actualité. Oui, 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 bien sûr, oui, bien sûr. Okay, alors, c'était pour... Merci Frankie Vince pour les deux mois de scolarité. De mon côté, il manque encore 19 subs. Pour que et moi, viennes, il en manque a lot. Et voilà. Mais ça n'arrivera pas. Moi, à la fin du mois. On a la fin du mois. La fin du mois, on les atteint pas, c'est terminé. Je le dis, je le précise. No joke. Down to 5 seconds. Oh les renforts. Salut Miri, tu es en classe avec 6-4. Je sais pas si c'est une affirmation. Oh, right. Bah, fais comme d'habitude, lis pas ton chat. Oui, je suis en classe. Yes. Je suis même mieux que ça. Je suis en... Alright, let's go. Let's dans fucking la play. Je suis dans la classe, mec. Dans la classe principale. Yeah. La classe... La classe des mecs classe, tu vois ce que je veux dire? Ils ouvrent le T1 là, ils ouvrent le T1, ils ouvrent le T1 là, là. Bon, je le fail, je le fail, je le fail. De petit salaud. Hop, tu as aveuglé. Et je vais pas me laisser faire par ces salauds. Je vais leur en mettre plein le dos. Deuxième ici. Buck outside window ball. Non mais mec, je suis une machine quoi. Regarde ça. Il est là, il est là, il est là. Là, c'est-à-dire ? Ici. À ma tête. Je sors, je le tue. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est des merdes. Oh mec, je les ai défoncés. C'est un monstre. Je les ai défoncés. Je les ai défoncés. Bien ouais. J'ai fait... J'ai appuyé sur la gâchette, hein. J'ai appuyé sur la gâchette. D'où il est devant moi, lui. Salon. Il a été monstrueux, vous avez été monstrueux. On a mangé des enfants. Bonsoir, je t'ai connu sur GTA quand tu faisais le prêtre, j'ai adoré. Merci. Alright. Merci Juanitit d'avoir offert la possibilité à Blunt76, ces 3 mois de frais de scolarité au sein du campus de la Salty Academy. Un monstre, poulet. Vous êtes des monstres. Vraiment, ça me touche énormément. Really? Really, really? Really. Let's go, on continue. Kat, j'ai une vraie question, notre rôle. Hein. On te demande encore si tu vas, refaire la compète. Quoi? Non. On te demande encore si tu vas faire de la compète. J'étais muté, sorry. D'accord. Ça n'empêche pas que ça. On te demande encore si. Ok. Il faut vraiment que tu arrives à voir le nombre de fois où. D'accord, ok. J'ai okay, envie ouais, de non, détourner non, le machin. T'as vraiment du mal avec ça. Hein. Ça fait 3 fois déjà depuis le début, quoi. Ouais, je suis un peu con là. J'avoue. Ouais, je reconnais. Dès que tu vois que je réponds pas, j'entends très bien, j'ai des très bonnes auditions. Hein, dès que tu vois que j'ai pas envie de répondre, ferme ta gueule, passe à autre chose. Comprends qu'il y a un problème. Non, non, mais là, je veux pas te mentir, je suis un peu lent. Je suis un peu lent avant de comprendre. Ouais, non, mais je suis lent, en fait. C'est juste, il y a vraiment zéro volonté de forcer. C'est juste que je suis lent à comprendre. Mais du coup, t'as pas répondu à mes questions. Là, je force. Non, jamais. Je t'ai connu sur la vidéo de 6-4. Merci infiniment. Self to him. Merci poulet, t'es un monstre, bienvenue sur le campus, vous êtes des monstres. Qu'est-ce qu'il est horrible, je vais baisser son putain la vache, il est en mode loufoque là. Vous êtes des monstres les amis, vraiment, 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 ça me touche énormément. N'oubliez pas pour l'exclamation de charme. Non mais, je ne t'en veux pas, parce que c'est vrai que maintenant le, voilà, mais je ne t'en veux pas. Mais c'est vrai qu'elle a été très drôle cette vidéo, très très drôle. C'est... Alors, de mémoire cette vidéo, Merci Cybloud. Pour les 16 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy, un monstre. Merci beaucoup, poulet. Vous êtes des monstres, les amis. Des sports de combat? Ouais. Boxe anglaise et thaï. Non, c'était pas un petit chest. Ça devait être un... Ne m'aidez pas, surtout. Let's go! Amazing. Ben voilà. Si c'était un Titus, c'est un Titus. Ah oh bah non, okay. Pas outback deux fois là. Avec les 4 cams de Val, ouais, c'était très drôle. J'ai beaucoup ri.
Je repense à des... Non, c'est vrai que c'était très drôle. Avec la petite voix que j'avais. Surtout quand j'ai essayé de l'embrouiller après. De mémoire, j'ai essayé de l'embrouiller. Clubhouse, hein, Clubhouse encore. Clubhouse. Full Clubhouse. Hi guys, how are you? Je fais toujours le mec blasé, quoi. C'était sur Clubhouse, exact, c'était sur Clubhouse en plus. Vous voulez que je vous montre mon masque? Il y en a, ils disent il est pas utile le masque. Je vois pas pourquoi. Pourquoi ils disent ça? Ah merde. Bon ben voilà. Et c'est mon masque ça. Je sors comme ça moi. La protection les gars, protégez-vous. Très important. C'est vrai qu'il n'y a plus besoin de masque maintenant. Et alors? Ça empêche que le virus n'est plus là? Ah non, ça c'est sûr. Est-ce que le virus n'est plus là? Merci absolument Naker. Merci pour les 10€, t'es un monstre, poulet, vraiment. Salut espèce BG à casquette. En vrai tiens, tu les mérites. Ça fait un bon moment que je te suis et avec tout ce que j'ai appris avec tes vidéos, ça me paraît normal. Y a pas que de l'apprentissage quand même, bordel de merde. Merci les poulets. Merci Naker, merci pour les 10€, t'es un monstre vraiment. Tu veux que je joue qui, 6? I don't know, fais-toi plaisir. Bah, je veux une Ibana. Oh, vas-y, Ibana. Fais-toi plaisir. C'est quoi, j'ai envie de prendre Ibana, mais Akog. Pas Akog. Ibana. Eotech. Comment? Ouais, c'est ça. Ça, il connaît bien le jargon. Hein. Par contre, ce qui est génial, c'est en airsoft, ça coûte un peu cher les optiques, mais qu'est-ce qu'elles sont ça, bien. Ça dépend. Oh, quand tu prends des bonnes optiques, quand même. C'est... Bon, non, t'en as 50 balles. J'ai eu des lunettes à une centaine d'euros, quand même. 150€. Ouais, bah. Ouais, mais ça, c'est pas cher, du coup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Une bon, lunette pour, je sais pas moi, ouais. Pour pas donner, pour pas parler de snipe ni rien, du machin, mais rien qu'un chasseur qui a envie d'en mettre une machine. Oh, bah non, mais de la waste, la machine, t'en as pour 400, 500, 600, 1000, ouais. 1200. J'en avais vu à 900, moi. Mais non, genre, la lunette, mais pourtant, c'est pas un truc, genre, croyez pas que c'est comme dans les films avec effet laser et tout, c'est juste. C'était une 4x32, une connerie comme ça. Pour avoir un bon équipement en échange du vélo électrique, on dit. Non, non, par contre, garde le vélo électrique, mon pote. En fait, toujours? Ouais, non, non. Là, je dois. Ouais, deux non. Que j'en ai pas fait. Non, non, mais ah, deux semaines, bon, ça va, ça va. Avec le beau mais là, temps. Là, avec le beau temps, il. Oui, bah, normal. Vas-y, j'ai rien fait sur la game précédente. Là, je j'active un peu. Que tu fasses le fou, hein. Ah, ouais, mais bon. J'ai 45 répliques et te dire le nombre de. Ah ouais? Tu fais de la soft, Sbir? Alors, moi, mes critères en airsoft, c'est métal. Il faut que ça soit métal. Il faut que ça soit des vraies répliques. Hein. One on site server and one. Je sais pas ce qu'ils font, ils sont nuls, ils se renforcent castle sur site. They're all on site actually. Marky, open the yeah this one. And it's free win. GG, well played. Fais péter la castle au même temps qu'il le fait péter lui. Oh là là, mais c'est quoi ces mecs? Oh là là, on est avec du. What? En toute franchise, vous voyez qu'il me tuait ou pas? Ah ok, d'accord. Lunette effet laser, ça correspond à quoi? Ça correspond à un gamin de 12 ans qui essaie de parler du jargon militaire et qui vient de jouer 3 fois à Call of Duty et il a regardé The Expendable. Ouais. Et autre point, c'est que pour les électriques, si on utilisait des armes électriques, je mets tout le temps un silencieux en déco dessus parce que ça accompagne, même si ça fait pas ce bruit électrique, mais ça dans l'immersion, ça accompagne le bruit du silencieux. Voilà. J'ai toujours du mal avec les bruits des électriques sans silencieux en fait. Friendly last operator standing. We have been eliminated. On n'est pas bien accompagné, hein. Laisse-moi te le dire. Ah bah en face non plus, ils sont pas bien accompagnés.
Le top en écrit, c'est les systèmes. D'accord. Bah, je vais te dire, là, ça va faire quelques années que j'ai plus suivi. T'en fais régulièrement de l'airsoft, Mary? Mais j'en ai fait à. Bon, le pire, c'est si t'as envie de taper un petit système NVG, là. Les lunettes, là. Hein, même du français, là. Des petits trucs, je sais pas moi, faits par du. Je sais même plus qui est-ce qui équipe les FS maintenant. Peut-être du SAGEM, là. Il y a des jumelles, enfin des lunettes, ça peut monter à 10-15K euros. Hein. Il doit y avoir des trucs là-dedans, je te jure. Ah, mais j'aurais bien fait ce truc IRL avec toi là, ça aurait été parfait. Ça, ouais, ça aurait été parfait. Non, mais franchement, ouais. En plus. Hein. Ouais, non, mais vraiment, sans problème en plus. Ouais. Je t'aurais mis des grandes claques dans la gueule. j'aurais pu cette fois-ci. En disant, mais qu'est-ce que tu fous là? En étant absolument. qu'est-ce que tu fous dans ton buisson? T'as les pieds qui te dépassent. Oh, le son. Le mec, forcément, il aura une guilie, il bougera jamais, tu sais. Ah, c'est trop ça. Ah, le mec, tout le monde l'appellera Joe la fougère. Il fera ses kicks à 2 mètres de distance. C'est quoi le tatouage sur le bras? C'est vrai que, Mary, il faut que j'en fasse un autre. Je vais faire un sub goal. Oui, bah ça va, les sub goals, remplis le mien déjà et on verra après. Ouais, bah, c'est ce que ta mère me disait. T'es à combien là? 590. On a ok, très bien. Bon bah voilà, t'étais à 537. Avant. Non, on a tapé. Là, ça redescend. Ouais, d'accord, ok, mais c'est normal ça. Ah oui, bah oui, bah. Le diaphragme, tout ça. Remplis le mien, qu'il dit. Je suis trop à la page. Oui, c'est interdit, les NVG autoportés. La loi interdit les NVG autoportés pour les civils. C'est quoi des autoportés? Bah. Alors, les Google Knight. Vas-y, je sais pas. Auto, du coup, ça veut dire. Automatique? Non. Parce que automatique, c'est automatique. C'est automatique. Auto, bah ça veut dire que c'est. Automatique? Auto. Pneumatique? Auto. Par soi-même. Ok, portée du coup. Ah, ils sont où parce que là. Il doit y en avoir un bas garage. J'y vais. Un top garage. Ouais, il y en a un top garage. Je l'ai loupé comme une merde, il a essayé de me C4 et il s'est raté. Autoportée, ça veut dire porter sur le casque. Tu dois forcément l'avoir dans les mains, tu peux pas utiliser le système autoporté quoi. Ouais c'est tout, c'est interdit. Et tu fais pas partie des... Attends mais ils sont où là? Ils sont qu'à gym. Ah ouais non mais je suis perdu, je croyais qu'ils étaient là. Moi. Oh je suis nul. Il est où? Oh, je suis nul. Cache. Ah là j'ai chié menti. Mais en même temps j'ai tapé deux fois la bouteille là. Je veux pas que ça soit une excuse, mais c'est un peu une excuse. Starting shock drone. I'm out, gotta reload. Moving back. Must recover the diffuser. Loading new mag. Vas-y, il me saoule lui. Bon, j'arrive pas à lui la coller. Là. J'ai pas changé encore, il y a marqué 999, mais c'est 699. Je préfère être transparent, je le changerai demain. Oh, pardon. 6-4, il m'a dit ferme ta gueule, enculé. Non, mais il reste 10 secondes, je suis vraiment nul. Ouais, moi aussi, j'ai fait de même. Mais tu le fais. Oh, je le rate, moins de tap. Oh, je fais de la merde. La législation sur les armes à levier et sur les montages cash change, je pense que c'est là que j'investirai. Pourquoi les armes à levier? Qu'est-ce qui se passe? Les armes, les répliques à levier, tu veux dire? Pourquoi? C'est quoi le problème? Genre le nombre de DPS? C'est fou comme les temps changent, tu détestais Twitch avant. Ah, je déteste toujours Twitch, hein.
Franchement, surtout avec certains streamers là, des gros fils de pute et tout. Il y a. Non, je déconne, j'ai compris Twitch, ouais. Ouais, c'est vrai que je la joue tout le temps. Vas-y, vous êtes nuls à chier. RXV et Ace Kenny, je vais vous virer, les mecs. Je vais vous virer. Vraiment ? Vous vous rendez compte, là ? Je vais vous virer. Le mec, il dit, c'est fou comment les temps changent. Tu détestais Twitch avant. On est dans un mood plutôt favorable et tout, machin. Vous lui enlevez son message. C'est la première fois qu'il vient sur le chat. Le mec s'appelle Expérience. Bah ouais, tu m'étonnes. Il vient de passer par une grosse expérience, lui. Hein. Il ne reviendra pas. Mais non, mais j'ai des, à mon avis, mes anciens, mes modérateurs, leurs grands-parents sont tombés de Mirador pendant la guerre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah ouais, non, franchement, non. Les mecs, ils étaient plombiers, à mon avis, pendant la guerre. Merci, Batou, pour les 2 mois. Bavure, j'avoue, je m'excuse. Non, mais franchement, bavure. Putain, par contre, elle a arrêté de taper ma souris sur tous les trucs. Là, ça va me saouler. Voilà. Allez, là, putain, j'ai fait 0 kill alors que j'aurais pu en prendre 2 là depuis tout à l'heure. Merde, je suis nul. Ils sont en bas. Viens, 6-4. Viens avec moi. Non. Ok, j'y vais seul. Putain, je vais me faire plaisir. What? What? Reloading! Cover me! Oh, j'avais 2 kills au bout de mon canon. Mais genre il la prend pas quoi. Mais je vais vriller. Bah allez mes mecs Moi aussi je fais la merde. Go Mary. Attends. Mais là je prends cher. Ah je suis tout seul là. Ouais. Un V5. Oh, le Capcom, putain. Non mais le Capcom, il a trop de chat quoi. Pick advantage, hein, sur le... We have been eliminated. Nulos. Oh, ça fait des petits setups et tout là. Okay, non mais expérience... Non, ils veulent jouer comme ça, ils ont réveillé la bête. Non, les armes à levier, ils les ont rendues intéressantes à coup de la loi à la con. Quoi ? Hein ? Sauf pour le 12 qui est encore plutôt flexible. Qu'est-ce que tu racontes, hein ? Juanitits ? On n'a rien compris. Nous français, communiquer ouais, en langue française. Non, moi j'ai un meilleur conseil. Prends ton temps pour écrire une phrase constructive. Mmh. On n'est pas pressé. Est-ce que tu as un rendez-vous ? Est-ce que tu dois vite partir ? Oh, ah, vite, moi, je veux que je laisse mon message. Non. Prends ton temps. Eh, faut comeback là, 0-3 là. Let's go, guys! I don't want to lose! Si tes mates jouent la trappe, sinon tu peux rien faire. Déjà, c'est faux. Et ensuite. Tu peux parler français. Oh non, bah le fais pas. Non. Not because we're real French, we prefer to speak in English, ouais, you know? Non, because your accent is very, you know, porous. Cet accent québécois. Oh my god! Oh shit! Don't do that again, please! I'm not ready for this torture.
Non, 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 what are you doing, dude? Bon, excuse-moi, mon accent est pété aussi. Le mec, il a renforcé là. Ah bah là, venez planter, hein. Venez planter dans l'angle, là. What? What? Good luck. We can't rotate. On peut pas rotate, tabarnak. Les stats y ont changé depuis 2 ans maintenant. Ah bah oui, je sais bien, mais normalement ça se joue dans leur face. Fait combien de temps que tu joues là à Rainbow Six? Parce que tantôt je t'ai vu jouer, c'était pas fou, hein. Oula, sur la fin c'était un peu chelou. Ouais. Ouais, le début était bien quand même. J'arrive pas à le tenir avec ça. Ah, c'est dur. Hein. Bah, c'est moche aussi. Hein. C'est intellectuellement hideux, hein. Inférieur, quoi. Ah ouais, non. On rigole, on vous aime bien de loin. Je crois que c'est la montagne que dans l'office. Oh, mais je prends le C4 là. Envoie le C4 dans la gueule, Poutine-lui la gueule. Ah, dans ma dos là, c'est rentré sur le BP. Ah, bah c'est à dire qu'il y en a un qui a poussé construction. C'est à dire que c'est belge 5 fois. Ah merde. Non! J'ai fait n'importe quoi. No, don't do that! Je veux pas perdre. Metalfield Bob Blaze Marquis. Voilà, c'est important, je pense. À 3 minutes de la fin du round, connard. Fais-toi un blindage avec tes crochets là. Avec tes yukunai. Tu te fais toute une barricade comme ça autour de toi. Une barricade. C'est-à-dire qu'il est dans l'office, il est en face de lui. En face de toi là, avec bravo, lui. Très bien, bravo. Ça, c'est ça que j'y vais, tabernacle. Congratulations. Tu lui as mis une bonne zoulette, non? Pourquoi tu causes plus, là? Oh, il m'a tellement saoulé. Les vieux toxiques. Mais non, mais on les aime bien. Surtout chez eux, ouais. À partir du moment où on aime un caniche, on peut aimer un Canadien. Grave. Je rigole. Oh non, mais je vous vois venir déjà là. SOS bien pensant. Non, je veux dire. Là, Eric, si tu peux. Hein? Non, non, rien. Tu peux? J'ai pas compris là, sur Scott. Ok. Ah, bravo, Ace Kenny. Ah la vache, Mais tu l'as toujours gardé, il est toujours là. Bah ouais, il a fallu que je lui file 50 balles ce mois-ci en plus là, apparemment. On m'a dit que c'était le surveillant du mois, quoi. Lui surveillant. Non, non, vous faites n'importe quoi là, une fois. Non, on allait laisser un trou. Non, un trou. Normalement, il faut renforcer là. Et il faut pas renforcer là. Et là, faut faire une rota. Technique, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, je ne t'en veux pas. Mais du coup, quelqu'un peut faire une rotation. Quelqu'un peut m'aider au niveau de la moto cyclade. C'est avec des mots qui n'existent pas du tout, tu sais. Ah, j'aurais préféré que le barbroyeur, il soit dans le bol. Ici, tout dans le bol. Ouais, c'est pas grave, tu peux le laisser là. Possible d'aider sur les reinforcements. C'est tellement simple. L'accent anglais. Yeah, alright. Ah, là, il a laissé tomber, lui. Il est parti en full anglais. Il s'est dit, vas-y, allez vous faire enculer les Français.
Il nous faudrait une rotation. Maverick is trying to burn. Alright. Alright. Where? Bedroom. Look at the camera. Bedroom and construction window. Oh, tu m'as trouvé. Je sais. Vu que tu parles pas, il y a un autre sur ma droite. Il est là derrière ce mur là, ouais. Je vais me le faire. Je le bait. J'ai le diffus. Il est juste dans cette salle. Il a ramassé le diffus, donc il est au contact à la porte à droite. Voilà. Oh, oh putain, le game sense, je commence à avoir du game sense, mec. Ouais, c'est-à-dire que c'est comment que ça s'appelle cet endroit quand ça même. Ça s'appelle de la logique une non, fois. Non, mais la place. La place de quoi? Ce call là, cet endroit là. Ah, l'endroit c'est store. Ok, ouais, store, stock. Stop. Stock et store, c'est bien. À dire que c'est marqué en bas. C'est pas faux. Mais tu sais, moi c'est pas écrit comme ça normalement. C'est normalement c'est des hiéroglyphes. Il y en a un autre, toc. Toc, ah. Store. Info sur 6. Ouais bah j'ai une ligne, hein. Moi je t'aide. Hein. Ok, il est là. Là. Il me suit. Il est là, il me suit. J'ai fait de la merde. Wait on side guys. Ah regarde ça. Da-da-da-da-da-da. Dommage. Il est au niveau de ta droite, à gauche. Non, je te dis où il est. Il est à ta gauche. Je l'ai fait. D'accord. Et si on n'est pas capable d'aimer un caniche? Ah, mais ça, c'est que vous n'avez pas de cœur, les amis. Si tu fais pas le dernier kill, je t'envoie pas 50 euros. Allez, 50 euros, mon pote. 50 euros. Je t'envoie 50 euros, mon pote. Dommage. Putain, j'étais à ça de les avoir. Mais t'as même pas 50 balles, mon gars. C'est vrai, en plus, je suis à moins 61 actuellement, sur mon compte. Je les ai voir, non, c'est vrai. Mais par contre, je les aurais envoyés à un moment donné. Ça, par contre, je suis pas un salaud, mon pote. Ça, je l'aurais fait. T'as le même accent qu'au père de Melousse dans les Simpsons, MDR. Je sais pas, qui regarde les Simpsons en VF en même temps? Moi. Ah, le bouffon. Il serait plié de rire, Godly. Lucy, can you get the two hatches for me? Yeah, I can do that. I think you are not the boss here, okay? We are French, we are Macron. No, I don't listen my bullshit. Don't listen to my bullshit. Oh, thank you. Okay. Protect the bombs. J'ai que moi suspect, par exemple. Ah ouais, hein, moi j'ai que moi qui suspect. J'ai économisé, je crois, sinon. Non, mais normalement, ouais, j'étais deux fois au pute. Et le pire! C'est vrai. On a eu pour 500 balles. Let's go guys, ça va montada. Can you reinforce the dirt? No, not this one, cowboys. Oh mais il renforce tout là. Come on. Oh fuck, I'm so fucking stupid now. I'm so stupid. You just can. Now it's good. Bomb located by op. Killing. Sorry. Kill him. No, we need to win, sorry. I'm going to carry your butt. Okay. You want to try out? Look my skill. Mais c'est quoi ces renforts là qui nous font là? Kitchen. Yeah, okay. Please, someone hold blue.
Les bruits de pas me stressent, hein. Je sais pas d'où ça vient. C'est... Nice, bro! Reaching another one, kitchen. Kitchen still. Ace. Ils ont ouvert la trap stock. Stock H's. Bedroom. Kitchen! Il est où l'autre? They have to push. Going to jump. 15 seconds left. Ils jump kitchen, ils sont nuls. Ils sont tous les deux kitchen? Ouais, t'inquiète, je l'ai lui. Ouais, bien joué la fois. What? Tu prends mon kill, bâtard. Bon kill. Bah oui, je l'ai mitraillé le mec en sautant. Amazing. Bah la preuve, j'ai eu le kill. Le tir dans les genoux. Je tirais dans la voiture. What? What? Oh, you're not Canadian. Where you come from, nickname? Sorry, Hitman. New York City, maybe. Hitman. Maybe, yeah. Maybe, yep, maybe. That's correct. Yeah, really? New York? Are you Where? A real Hitman? Yep. Maybe. Oh, shit. Sorry. But not in this game, obviously. not in this game. In real life. Okay. Et il y croit en plus à ce qu'il dit. Non, parce que là, le Hitman, il a pas hit des masses hein, sur la killcam. Hein, il s'est fait c'est plutôt Miss Man. Hein. And do you know what happening in Brooklyn yesterday? Oh my god. Need to use your drone to locate a bomb. J'ai juste entendu parler. Il y avait quoi? Il y avait une fusillade dans le métro? Bah je sais pas. Je voilà. C'était un mystère entouré d'une surprise, entouré d'une devinette. They're not in CCTV. Okay. Sounds like they're in gym bed. A priori, ça s'est passé dans le gym bed. Nope, downstairs. Oh, basement. Sure. Yep. La qualité des micros. 10 seconds. Bam 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 bam. 5 seconds to insertion. Tu vas faire quoi ce soir 6-4? C'est quoi ton football, fils de pute. Sérieux? Merci Genesis pour les 8 mois de frais de scolarité, mais t'es un monstre. Amis, hein, oh, ferme ta gueule, franchement. Alright. Trop con. Ah mais t'as juste des All amis. Alright. Non mais juste des amis. Alright. Parce que moi j'en ai pas. Alright. Alright. Ah ouais non mais là tu sais que c'est pas bien ce que tu vas faire. Alright. Tu sais que t'as fait une erreur là. Nah, calme-toi. Mais je suis très calme. Non non non. Là t'as juste réveillé le monstre. T'aurais jamais dû faire ça. Oh, j'y vais en face check et tout. Alright! Moi je regarde Hitman. The monstre. Ok! Tchou, tchou. Ah, je vais voir 6-4 maintenant.
I'm dead. Allez, Hitman le clutch. Ok. Bon, faut qu'on la termine vite, hein, faut que j'y aille. Non, mais amazing. On peut vraiment faire du foot, 6. Ah. Il se passe quoi ce soir? Mary sera en live. Je vois ce qu'il va dev sur GTA RP. GTA. Ouais. Je voudrais tremper mon biscuit dans du lait et boire une gorgée humide. D'Orangina. Des tirs dans le métro, 13 blessés, des bombes inactives trouvées. Ah ok, une smoke qui le tire à travers. Ah je sais pas. Voilà ce qui s'est passé à Barbara. Ouais non c'est... Oh pas ouf. Nope. On a connu meilleure ambiance à New York. Yep. Ne faites pas ça d'ailleurs, chez vous, ou même pas chez vous, hein. Chez les autres. Ne faites pas. Déjà parce que c'est moralement un peu fou. Et ensuite parce que ça peut... Non, don't play enfin. Don't play enfin. Yeah. Ok, you have a real thought. Ok. C'est... Tu peux pas le mettre, hein. Evil eye. Toto, je vais me mettre là. Je vais me faire fumer, ça va arriver là, tu vois. Op 4 found a bomb, you must defend it. T'es où la 6? C'est toi qui l'as. Reloading! Il y en a qui arrivent encore, à mon avis, par ici. Non. On saute dans le garage. Oh, je sais plus jouer. Ils sont où là, 6? Dehors. One op four remaining. Nice. Et la Kali, tu l'as tué? Oui, c'est la Kali que j'ai eu. Nice. GG, guys. GG. Let's go. Il reste là. 23 BC, pas 13. Ah. N'oubliez pas, si on est en train de prévoir un concept incroyable, point d'exclamation top secret, si vous êtes bloqué en dessous de Silver. On a plutôt bien joué. All right. On est plutôt performant. Let's go. Parce qu'on a l'esprit d'équipe. Et si vous avez des questions pour l'exclamation Discord, si vous cherchez les teammates pour l'exclamation Discord, c'est the place to be. Je vais prendre Yana. Pas d'objection. Ah bon, non. Let's go. Salut Destroy. Bon, last round. Lasto. Need to use your drone to locate a bomb.
Top floor CCTV. Il y a tous les niveaux sur Discord. Ça va du dernier niveau à champion. Well, that's exactly what I said. 5 seconds. You must locate and defuse a bomb. That's exactly what I said. CCTV. CCTV. T'es en train de me dire que j'aurais pu monter là. Attends. Je monte, hein. Il est au compte. Oh, mais what? J'ai mis des grosses balles dans la gueule, mais non. Ok. Ok. Mais merde. On pourrait pas ouvrir le mur, non? Non, il préfère faire n'importe quoi derrière. Ils sont tous derrière. Ok, I'm coming. Je pense pas que ça soit une bonne idée. Ouais. Mais what the fuck? Qu'il a fait lui? Il s'est fait une barricade. Il s'est fait vraiment un mirador. Y'en a un qui est sur la bombe. He's on top of the counter. Behind this fucking rock walls. C'est bon, il est là, non? Non. Ah non, il aurait dû attaquer. Faut que tu regardes mon drone, vite. Ok. Et tu restes dessus. Attends. Behind. Et tu me dis s'il y a du monde qui arrive. Je suis dessus. T'as personne. T'as pas de rota en plus. 15 seconds. Là, tu te fais plaisir. Pas. Planting. You need to cover. Don't do shit. Don't do anything stupid. Ok, red stair. Là où t'arrives. Bien joué. Nice. GG. GG, guys. Quel cool. Low tariff. C'est vraiment le cool que j'ai donné. Hein. Un monstre. Là où t'arrives, ça veut rien dire. Mais il a compris, ça veut dire en gros, ça veut dire. Et attention, tu casses de force l'adversaire. C'est top SK rouge et il va prendre le chemin actuel que tu as emprunté pour rentrer sur BP. C'est ça que ça veut dire. Là où t'arrives. Il a compris. Il comprend mon langage. Comme la fois où j'avais dit top en face du trou. Il savait. Bon, et après en live, il a fait tout un cinéma pour faire style qu'il comprenait pas, mais il a compris. Ok, let's go. Il a compris. Ce sont mes calls. C'est ce qui fait ma force et ma faiblesse. J'arrive. Ok, bon allez les amis, il faut que je me casse. Donc, il a l'air complètement charbouillé. Ok, donc followez-vous là-bas. Lâchez des subs. Merci infiniment Adair pour les 100 bits. Merci Stasher pour les 3 mois de frais de scolarité. Il faut vraiment que je décolle. Merci infiniment. Vous êtes des putains de monstres.
sur le campus de la Salty Academy. Ladies and gentlemen, I am un petit peu à la bourre, mais fallait au moins que je termine pas comme hier où j'ai dû me barrer très très vite. Voilà. Merci infiniment, les amis. Vous avez été des monstres. Une fois de plus sur le campus de la Salty Academy, je disparais. Voilà. Mais tout n'est pas fini, je vous envoie chez Mary. Et puis voilà. Hein, envoyez-lui du soutien. Je sais pas ce qu'il faut lui envoyer, hein, franchement. Et du Xanax. Hein, voilà. Thank you, les amis. Vous êtes des monstres. N'oubliez pas de faire point d'exclamation Discord, point d'exclamation Twitter, surtout si vous voulez des news du campus de la Salty Academy. Il y a encore une vidéo qui est sortie sur le campus, point d'exclamation YT. N'hésitez pas à aller liker, commenter, partager. Les trois, ça fait extrêmement plaisir et ça paye les monteurs et les petites mains du campus de la Salty Academy. Merci infiniment à tout le monde. Toutes les personnes dont le nom figure à l'écran right now, à savoir les... Bah tout le monde quoi, le staff, les membres du Salty Fan Club, les nouveaux et les anciens étudiants du campus de la Salty Academy, les surveillants, les sub-gifters, les personnes qui viennent pour la première fois, pour la millième fois, bref toutes les personnes qui font que le campus de la Salty Academy ira to the fucking top, ladies and gentlemen, je vous laisse, et d'ici à demain aux alentours de 15h, n'oubliez pas qu'on est Salty, oui. Mais pas que.